Et même, il a permis que tu sois en vie là, c'est une grâce. Voilà, élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te dire merci, merci pour ta fidélité. Merci pour ta large main, merci pour ton amour, merci pour ta puissance. Merci, éternel Dieu tout puissant. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a gardé. Il a permis que tu sois en bonne santé. Il a permis pendant le moment de jeûne. Il y a des personnes qui ont fait le moment de jeûne, ils sont morts. Il a permis que tu sois en bonne santé, c'est une grâce. Merci au Seigneur. Dis merci au roi des rois, au Dieu tout puissant, créateur des cieux et la terre. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Je veux te célébrer en ce moment. Je veux te louer, papa. Merci, merci. Je dis que tu es Dieu. Je dis que tu es roi. Et ce n'est jamais la foi, la puissance, l'honneur, Seigneur. L'élévation est à toi, roi de gloire. Oh, que la gloire, Seigneur, te revient. Merci à toi, papa. Merci à toi, et ce n'est jamais. Tu vas chanter ce cantique, tu vas chanter ce cantique, tu vas chanter ce cantique. Dispose-toi et tu vas adorer en quelques instants. Tu vas adorer en quelques instants. Allons-y. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Thank you.
Alléluia. Et c'est comme ça, enfant de Dieu, tu dois entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu dois traverser, oui, le balcon, tu dois traverser le salon, tu dois traverser la cuisine et tu dois rentrer dans la chambre parce que c'est là-bas qu'il y a l'intimité entre Christ et toi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant que tu as été disposé, tu es prompt à écouter la parole de Dieu. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas fermer, tu vas baisser la tête. Mets les yeux. Adonai El Shaddai Elohim, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Prends la première place. Conduis toutes choses par la puissance de ton esprit. Merci parce que tu vas nous enseigner encore. Merci parce que tu vas nous donner encore des secrets qui sont cachés encore derrière le mystère de la délivrance. Merci parce que Seigneur Jésus-Christ, au travers de la délivrance, nous allons comprendre beaucoup de choses que nous avons faites qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. Je bénis ton nom parce que, éternel Dieu de gloire, les canaux que tu vas utiliser, tes serviteurs, Seigneur Jésus-Christ, oh, sont les moindres, éternel Dieu de gloire, de tous les serviteurs. Père Dieu Tout-Puissant, que les personnalités soient effacées, oh Rabbi, que toi seul ta gloire paraisse, éternel Dieu de gloire. Parle à ton peuple, conduis-les, dirige-les, Seigneur Jésus-Christ, selon ta volonté, et que chacun d'entre nous, Seigneur Jésus-Christ, soit transformé, enseigné pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu nous as franchis maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va parler de la délivrance parce qu'aujourd'hui est un jour très spécial, surtout le jour de la délivrance. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui a envoyé son couteau? Voyez, d'autres ses couteaux, d'autres ses fourchettes, ils ont. Mais qui a envoyé son épée? Lève ton épée. Alléluia. Amen. Il y a d'autres là, ses couteaux, ils ont, ses couchettes. Bon, on ne sait pas ça pour aller dans quelle guerre. On ne comprend pas. Un jour, une femme a fait son dit pour elle, elle a fait petit comme ça. Elle a dit, pour fais quoi? Gloire à Jésus. Ce n'est pas seulement la grandeur. Hein. Mais quand tu achètes une grosse Bible, ça démontre aussi ton amour pour le Seigneur. Gloire à Jésus. N'est-ce pas que quand on a un peu d'argent, on prend les gros téléphones. C'est pas ça? Si elle vient, donc petit téléphone, elle dit, moi, je fais quand même petit du cas. Mais quand on veut payer Bible, là, on fait quoi? Petit et petit, là, c'est combien? Elle dit, bon, demandez gros, là, un peu. Gloire à Jésus. Amen. Donc, chacun a son épée, et c'est important. Tout soldat doit avoir son épée. Alléluia. Alors, God, fais ton épée. Vas-y, c'est le téléphone. Hé, fais le téléphone, là. Bah! Alléluia. Amen. Bonne arrivée. C'est 15, ça va aller, hein? D'accord. On va comprendre selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Man of God. Ok, on travaille ensemble. Voilà. Homme de compagnie. 2 Corinthiens 5, verset 17. On va comprendre pourquoi la délivrance et qu'est-ce que c'est que la délivrance. On va comprendre par la grâce de Dieu le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'on prend dans la rue là-bas. T'entends. Ah, mais quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Tu n'as plus besoin de faire quelque chose, c'est fini. Tout est accompli. C'est pas ça? Gloire à Jésus. Parce que c'est sur ça que nous, c'est base. Gloire à Jésus. Amen. On va comprendre le mystère de la délivrance. On va comprendre pourquoi il faut passer par cette étape. On va comprendre. Maintenant, je vais vous poser d'abord une question. Si une personne est en crise et les choses anciennes sont passées, ça veut dire que si j'ai volé 1 million à quelqu'un, je deviens chrétien, les choses anciennes sont passées. Et le jour où le gars me voit, il dit, hé, tu n'as pas appris. Je suis devenu pasteur. Je suis devenu servant de Dieu. Et puis il dit, hé, c'est vrai, tu es devenu servant de Dieu. Oh, que tu te bénisses. D'accord, dans la page d'aujourd'hui là, c'est fini, hein. 1 million que tu me dois là, il faut partir. C'est comment ça se passe? Non. Ah, non, répondez, c'est comment ça se passe? Non. Ah. Donc, tu es devenu pasteur, tu es devenu servant de Dieu, c'est vrai. Maintenant là, quand tu pries là, c'est le feu, l'onction, tu sens le feu, tu sens l'onction. Mais crédit là, tu payes ou bien tu payes pas? Tu payes. Tu as payé.
bien. Mais normalement, c'est passé. Mais tu payes. Ah. Gloire à Jésus. Faut pas que quelqu'un va te blaguer. Les gens ne comprennent pas ni la puissance des Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils sont à la lettre et non à l'esprit. C'est pourquoi on les appelle pasteurs théologiens. Il lit son main, la Bible dit, il va te citer des Genèse jusqu'à Apocalypse. Il dit, yeah, il connaît des. Mais quand tu le sondes là, il est léger comme ça. Très léger. Tu mets un cas de manifestation démoniaque, il ne sait même pas ce qu'est l'esprit. Regarde ça, quoi. Hey, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Hey. Bon, envoie ça chez les démologues. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il ne peut pas comprendre le mystère. C'est le Seigneur qui révèle ça à ses enfants. Au travers de ses écritures. Donc, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Allons-y, homme de Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir de... Tu lis le verset 1. Et puis tu sautes. Tu vas au verset 38. Jean chapitre 11. Le verset premier. Il y avait un homme. J'en ai. Il y a ma Bible aussi là-bas. Tu peux attraper au cas où. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare. Attends, maintenant on va boire un peu d'eau. Hein. Voilà. Jérémy, cherche un peu d'eau pour lui. Il va rêver d'avoir. Voilà. Ouais. Alors, vas-y, donc, vas-y, chante. Faut parler. Jérémy, on se trouve ça. Attends, on d'accord. Jérémy, allons-y en attendant. Jean chapitre 11, le verset. Verset 1, le verset 3. Verset 1, tu sautes, tu vas maintenant au verset 38. Allons-y. Jean chapitre 11, le verset 1. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare. Lazare. De Béthanie. De Béthanie. Village de Marie et de Marthe. Village de Marie et de Marthe. Sa sœur. Sa sœur. C'était cette Marie. Oui. Qui oignit de parfum le Seigneur. Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. D'accord. Allons-y au verset 38. Hein? Verset 38. Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Oui. Se rendit au sépulcre. D'accord. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. D'accord. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mont, lui dit, Seigneur, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Hein? Car oui. Il y a quatre jours qu'il quatre est là. Quatre jours qu'il est mort. Hein? Jésus lui dit. Jésus lui dit. N'étais-je pas dit que pas dit, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Allons-y. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et Jésus leva les yeux en Jésus haut. Jésus a levé les yeux en haut. Et dit. Il a dit. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule à cause du peuple, qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, oui. Il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, Lazare, sort, sort. Et la mort et le mort sortit. Il est sorti. Les pieds et les mains liés de bandes. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Le visage enveloppé d'un linge. Jésus l'a dit. Déliez-le. Déliez-le. Et laissez-le aller. Et laissez-le aller. Gloire à Jésus. Amen. Ok, passe le message maintenant à David. Passe la place à David. Donc, la voix du Seigneur Jésus-Christ qui va dans la tombe en disant Marthe, sors, Luc, sors, Jean, sors, Marie, sors, David, sors. Des personnes ont sonné la trompette dehors. Répentez-vous, 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 répentez-vous. Répentez-vous, répentez-vous. C'est la voix de Christ qui va dans la tombe. La tombe, synonyme du monde. Là-bas, il n'y a pas de courant. Dans quelle tombe il y a courant? Obscurité. Nous étions dans la tombe autrefois. Dans l'obscurité où nous étions, il n'y a pas de lumière. Et comme il n'y a pas de lumière, on ne voyait rien. Nous étions morts.
par nos péchés. Mais il a plu à Dieu d'envoyer ses serviteurs et ses servantes annoncer dehors. Et un jour, la voix du Seigneur a retenti dans notre cœur. Et on est sorti du monde. On est venu maintenant à la lumière. Mais quand on vient à la lumière, la Bible déclare qu'elle est le mort sorti de la tombe. N'est-ce pas que nous tous sommes sortis de là? Il avait quoi? Les mains et les pieds liés de bandes. Gloire à Jésus. Mais les bandes la font quoi sur lui? Donc le péché l'a lié des bandes. C'est pourquoi il y a des choses qui ne peuvent pas se débarrasser actuellement. Il y a des choses en lui qui sont difficiles. Aïe, il ne peut pas se débarrasser. Il doit passer à la... Comment il passe à la délivrance? Lorsque le mort sortit, les mains et les pieds liés, la Bible déclare que un linge a enveloppé son visage. Qu'est-ce que le Seigneur a dit quand le mort est sorti? Il a dit quoi? Attends, vas-y. Et le mort sorti. Et le mort sorti. Les pieds et les bras et les mains liés de bandes. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé de linge. Le visage enveloppé de linge. Jésus le dit. Maintenant, Jésus dit, lui. Déliez-le. Mais attends, qui va délier? Qui va le délier? Jésus avec qui autour de lui? Les disciples. Il avait qui? Ses disciples. Alléluia. Donc, c'est les hommes maintenant qui vont. Le Seigneur a fait ça. La puissance de Dieu est venue vers toi. Délivrance automatiquement. Tu es venu au Seigneur. Ça, c'est une première délivrance. C'est ça que 2 Corinthiens 5, verset 17. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Jésus a. Donc, la personne est sortie du monde. Il vient à Christ. Mais il est lié. Qui va délier? Les disciples. Si on prie pour toi, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Mais pendant qu'on prie pour toi, le Seigneur utilise notre voix pour agir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur peut utiliser même un petit garçon, on va venir prier pour toi, ne t'inquiète pas. Laisse le Seigneur faire. Il dit déliez-le et laissez-le aller. Mais quelqu'un qui est sorti de la tombe, normalement, il doit se délier lui-même. Gloire à Jésus. Ah, c'est ça. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Je vous dis la vérité. Dieu, il a un principe selon la Bible. Pour sauver les hommes, il doit utiliser des hommes. C'est pourquoi, même pour nous sauver, il fallait que lui, Dieu, se fasse homme. Parce que pour sauver le sang, pour nettoyer le sang, il faut le sang. C'est la loi. C'est la loi. S'ils ont volé tes offrandes, il faut une offrande pour la racheter. C'est pourquoi lui, il s'est donné comme une offrande parfaite afin de nous racheter de la malédiction. Gloire à Jésus. Donc quand le mort est sorti, il dit déliez-le et laissez-le aller. Les disciples ont commencé à le délier. Synonyme et symbole de la délivrance. Bande de morts, bande de pauvreté, perpétuel recommencement, méchanceté, calomnie, vol, impudicité, tout ça fait là. Donc ça fait un autre vêtement sur lui. Quand tu lis des bandes là, vous finissez à faire un vêtement sur toi. Donc on te regarde, mais tu es rempli de colère, mensonge, vol, impudicité, calomnie, fellation, cunnilingus, position pornographique, kamasutra, et toutes ces choses-là. Bon, tous ces péchés-là, tu peux pas servir Dieu. Toute réaction. Pardon, toute action produit une réaction. Et toute réaction produit un résultat. Quand le Seigneur te dit évite le péché, tu as tombé, tu as répondu, c'est vrai. Si c'est arrivé, gloire à Jésus. Si tu n'es pas mort dans le péché, gloire à Jésus. Le Seigneur va te pardonner. Mais ton action va produire une réaction. La réaction va produire un résultat. Conséquence de ça, tu as payé. Conséquence de ton action, tu as payé. Le Seigneur t'a pardonné, hein? Mais tu as payé conséquence de ça. Gloire à Jésus.
Le Seigneur t'a pardonné, mais tu as payé conséquences. Donc il ne pouvait pas se délier lui-même. C'est impossible. Et le Seigneur mandate ses enfants qui sont autour de Jésus en lui disant, en leur disant, délie-le, laisse-le aller. Quand tu viens en entretien, on te met sur un programme de jeûne. Ne t'inquiète pas. Obéis, laisse Dieu faire. Et quand ils l'ont délié, maintenant le mort qui était lié, qu'est-ce qui se passe? Il peut maintenant manger. C'est pas ça? Quelqu'un qui a un linge, même si tu le donnes même des urines des bébés, il va boire parce qu'il ne boit pas. Mais un linge, c'est le linge que les sorciers prennent pour couvrir vos songes. Ou tu peux faire un songe, puis tu vois, on t'a saisi, on t'a mis un truc sur toi comme ça. Il sera déchiré aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, elle te vole de pas que ton esprit voit ce qu'ils sont en train de faire dans le ciel. Et c'est ce qu'ils ont fait à Lazare. Mais Lazare, il était ami de Jésus, non? Il marchait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Ça arrive aussi dans la vie des enfants de Dieu. Arrive un moment de ta vie, tu as fini la délivrance tout, tout. À un moment de ta vie, tu constates que ça te rattrape. Quand tu commets un petit péché, oh, toi, tu penses que c'est un petit péché, mais toi, on te ramène en même temps. On te ramène les choses. Gloire à Jésus. Donc, on continue à passer un peu à la délivrance de ton enfant jusqu'à ce que. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la première délivrance, voici, c'est pour couper les bandes, les liens. C'est pourquoi on te demande, ton père, il a adoré quoi? Ta mère, elle a adoré quoi? Toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, il n'ai rien fait. Ça fait quoi? Il n'ai rien fait. Ça fait quoi? Il n'ai rien fait. Ça fait quoi? Eh, tu n'as rien fait. D'accord, gloire à Jésus. Va à maison. Quand tu as dit là, tu as dit ça à qui? C'est pourquoi même, parfois, il y a des personnes que j'échange au téléphone. Ah, on me dit, il t'avait dit ça là, la 9 fois là. Il dit, si il regardait tout le monde dans ma tête là, il dit quoi? Il a mouru. J'ai oublié, on me l'a dit, on avance. Parce que ça arrive là. Je ne sais même pas qu'on avait pas, mais c'est le même qu'il fait. Il dit en même temps, il prend, il s'en va. C'est fini. Parce qu'en avouant, selon Proverbe 28, verset 13, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Mais celui qui cache là, il ne prospère pas. Il n'y a pas de délivrance. Donc ce que tu as fait, tu dois dire. Quand on va lire la parole de Dieu, tu te vois et t'entends dire, repentance, à genoux, repentance, pleure sur ton péché. Libère-toi et dis au Seigneur, je suis péché, je te demande pardon, je reconnais ce péché. C'est alors que tu auras la vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc vous avez compris que la délivrance là, c'est que les gens racontent Dieu là, c'est faux. En disant non, tu as besoin. Alléluia. Toi seul tu sais ce que tu subis dans les songes. Mais pourquoi ils te racontent autre chose? Toi seul tu sais ce que tu vois. Et c'est ça, le Seigneur a pris l'image de Lazare pour nous expliquer. Tout ce que le Seigneur vient de faire, il vient nous expliquer physiquement des choses, mais ça fait une portée spirituelle pour nous montrer comment les choses sont faites. Alléluia. Donc, on va aller maintenant dans les Écritures. On va parler des péchés. On va attaquer les péchés. On va attaquer les péchés. On va attaquer les péchés. Et par la grâce de Dieu, on va faire la repentance du Saint-Esprit qui va descendre. Va libérer ses enfants pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Esaïe 34, verset 16. Esaïe 34, verset 16. Esaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. La Bible déclare que consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun Dieu ne fera défaut. Aucun Dieu ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ne manqueront. Ni le Nouveau Testament ne manqueront. Ne manqueront. Hein? Car sa bouche l'a ordonné. C'est sa bouche qui a dit. Écriture, écrivez le passé, écrivez tout pour le passé. Parce que ma fille qui vient, il y a mon fils qui vient dans 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans après. Il a besoin de cette histoire-là. Afin que sa foi grandisse. Afin qu'il sache que j'ai pas aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai pas aimé ça. J'ai aimé ça. Donc c'est sa bouche qui l'a ordonné. Allons-y. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui a rassemblé.
l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est ton esprit. C'est pourquoi dans une maison, il peut avoir incendie, il peut avoir quoi, mais tu as constaté que malgré ça, la Bible est là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a rassemblé ça. Allons-y, homme de Dieu. Il a jeté pour eux le sort. Et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ok, amen. Réponds, homme de Dieu. 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ne manqueront. Mais le Seigneur a dit ni l'un ni l'un ni l'autre. Il a dit normalement, s'il y avait le troisième livre, il avait dit ni l'un ni l'autre ni le troisième. Alléluia. Ni l'un ni l'autre, ça vous dit. Il y a un seul livre, mais c'est composé en deux parties. Donc si tu lis l'Ancien Testament, faut pas dire que, oh, l'Ancien Testament, c'est... Non, et on est dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que les gens nous racontent? Aujourd'hui, le Seigneur va vous parler. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Alléluia. Donc, oh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Seigneur dit, ni l'Ancien Testament ne manqueront, ni le Nouveau Testament ne va manquer. Ce que tu as lu dans l'Ancien Testament, là, ça se reproduit dans le Nouveau Testament. Donc, ni l'un, ni l'autre. Homme de Dieu, allons-y. Car sa bouche l'a ordonné. C'est sa bouche qui a ordonné. Il dit, écris ça, écrivez, gardez. Hein? C'est son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui a fait quoi? Qui les rassemblera. Qui a rassemblé depuis la Genèse jusqu'à Malachie, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse. C'est l'esprit de Dieu qui a rassemblé et qui a formé un livre qu'on appelle le livre de vie. Sans ça, il n'y a pas d'autre. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on a compris que c'est la parole de Dieu qui va nous libérer aujourd'hui. Matthieu, chapitre 5, verset 17, 18. Il faut qu'on comprenne bien. Parce que si chacun d'entre nous sommes là, c'est parce qu'on veut bien comprendre afin d'être bien libéré. Matthieu 5. Verset 17 à 18. À 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Il dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les abolir prophètes. Abolir la loi, ça veut dire quoi? Pour supprimer la loi. Supprimer, non? D'accord, quelqu'un t'a dit non, que ça, c'est l'ancienne alliance. On est dans la nouvelle alliance, on est sous le temps de la grâce. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Connerie, chimère. Alléluia! Jésus lui-même, s'il n'avait pas parlé là, on avait dit Jésus n'a pas dit ça. Lui-même, il a parlé. Il a dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu. Faut pas penser même dans ta tête même que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Pour supprimer la loi ou les prophètes. Hein? Je suis venu non pour abolir. Je ne suis pas venu, je suis venu non pour supprimer. Mais je suis venu à. Mais pour accomplir. Mais pour accomplir. Parce que dans l'ancienne alliance, les hommes n'avaient pas la capacité de pardonner. C'est pourquoi le Seigneur dit, si ta femme te trompe, tu peux donner une lettre de divorce. C'est le seul motif. Alléluia. Parce que dans l'ancienne alliance, les hommes n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Alors il est impossible pour eux de pardonner à sa femme. Parce que l'esprit qui peut te permettre de pardonner, c'est le Saint-Esprit. Ta femme a péché. Dans l'ancienne alliance. Il y a longtemps. Allez, femme adultère, la mettre dehors. On la lapide jusqu'à elle meurt. Personne ne la prend. Ouh, c'est là, abomination. Ouh, abomination. Abomination. Mais le Seigneur dit que quiconque répudie sa femme, il expose à être adultère. Et il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Qu'est-ce qui a été prescrit à Moïse? Parce que notre cœur était dur. Et celui qui change le cœur, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut que Jésus vienne pour nous changer notre cœur et nous donner la capacité de marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie. C'est pourquoi il a dit, la loi de ta vie n'a plus de force sur nous. Si quelqu'un te chiffre sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. Alléluia. Maintenant, toi, on t'a giflé, si je joue gauche, tu viens donner joue droite. Dis-moi, je gifle encore, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. On t'a giflé, si je joue gauche. Ah, le Seigneur dit, quand je suis joue gauche, là, tu viens donner joue droite. Mais quand même, on va gifler encore. Pas y'a, y'a, y'a,
avec ta parole est Dieu. C'est pas ça. Alléluia. Le Seigneur dit, si quelqu'un te maudit, il faut le bénir. Alléluia. Si tu fais du mal, il faut le faire du bien. Si tu es sûr, il faut prier pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible déclare que c'est comme des charbons ardents. C'est du charbon qui est embrasé. Vous connaissez un peu les... Comment ils s'appellent les gars qui font les mammites là? Vous êtes là, par là, non? Vous avez vu, non? Les braises de feu là. Vous voyez, c'est rouge, non? C'est comme si tu ramassais ça et puis tu mettais sa tête. Ah. Pendant que tu le bénis, quand lui te maudit là, c'est du feu que tu mets sur sa tête. Dans ses cheveux vont brûler comme pour moi. Là. Sa tête sera coco taillée comme pour moi. Et puis, alléluia! Oh! Ça arrive! Gloire à Jésus! C'est ce qui est juste, oh! C'est la vérité. Gloire à Jésus! Donc, la parole de Dieu ne changera pas. Au verset suivant, allons-y au milieu. Car je vous le dis en vérité. Le Seigneur te dit en vérité, ce que les hommes de Dieu te disent là. C'est connerie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Ah! Donc tant que ça ne passe pas là, qu'est-ce qui se passe? Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc de la loi là, ne va jamais disparaître. Un seul iota ou... Ou un seul trait de lettre. C'est-à-dire que même virgule, point. Même A qui est écrit dans la Bible, ça ne disparaît pas. Tant que le ciel et la terre ne disparaissent pas. En d'autres termes, tant qu'il n'y a pas la fin du monde de toutes ces choses-là. C'est là. Mais quand tu sais quand la fin du monde, tant que la fin du monde va finir d'abord, quand ça va arriver d'abord, et puis tu as dit, bon, maintenant, Seigneur, tu as changé les choses de là. Tu es resté. Alléluia! Et c'est pourquoi ils seront condamnés sévèrement. Parce qu'ils ont connu la vérité, mais ils ont ignoré. Oh, c'est les hommes qui ont écrit. Oh, c'est les hommes qui ont écrit. Oh, c'est les hommes qui... Restez là, c'est les hommes qui ont écrit. Mais tout ce qu'on voit dans la Bible, avant de créer toute l'humanité, ils ont utilisé la Bible. Tout ce que vous voyez, ils ont utilisé la Bible. Mais pourquoi c'est les hommes qui ont écrit? Pourquoi ils utilisent ça? Tout ce que la Bible a prédit il y a 2000 ans. 2000 ans sur l'Apocalypse, 2000 ans passés. Mais ça commence à se reproduire aujourd'hui. Oh, c'est les hommes qui ont écrit. Alléluia! C'est pour te dire qu'il faut croire à la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Donc, toi, moi, c'est convaincu que quand on va lire les Écritures, là, tu vas quoi? Gloire à Jésus. Parce que la Bible, c'est la vérité. Gloire à Jésus. D'accord. Allons-y maintenant. Les péchés qui empêchent les enfants de Dieu et qui les lient de bandes et les empêchent de servir Dieu. Avant de descendre dans l'alliance familiale, l'alliance paternelle, on va parler un peu du péché que nous-mêmes nous commettons sans le savoir. On va commencer par la sainteté selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que dit le Seigneur Jésus-Christ concernant la sainteté? Pourquoi la délivrance? On va comprendre ça par là. Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, que tout votre être, l'esprit. Donc votre tout votre être, l'esprit, l'âme. L'âme et le corps. Et le corps, troisième partie, doit faire quoi? Doit soit conservé irrépréhensible. Soit conservé irrépréhensible. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de reproches. Dans ton corps, sur ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc la sainteté là, c'est à trois niveaux. Si ton âme, selon toi, est pure, ton esprit est pur, que ton corps est souillé, ça va souiller les autres. Vous comprenez? Donc si ton esprit est sale, ça va souiller l'âme, ça va souiller le corps. Vous voyez un peu? Donc quand quelqu'un vous dit non que Dieu c'est le cœur, il ne vous a rien dit. Dieu c'est le cœur, on n'en discute pas.
Mais la sainteté, c'est à trois niveaux. Alors que Hébreux 12, verset 14, nous dit quoi? Hébreux 12, verset 14, nous parle de la sainteté, ce que ça fait. Hébreux 12, le verset 14. Oui. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification. Et la sanctification. Hein? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ça veut dire que si tu n'es pas sanctifié, tu n'iras pas au ciel. Mais c'est quel grimace ils nous font dehors là-bas? Donc il y a un travail à faire. Donc je dois veiller à ce que je demeure dans la sainteté. Mais quelqu'un qui est quitté dans le monde, qui est venu, les bandes sont là. Les bandes là, voilà, bandes des mensonges. Il va commettre le mensonge ou pas? Il va commettre le mensonge, non? Parce que la bande est là, c'est pas ça? La bande est là. Donc s'il commet le mensonge, il n'est plus saint. Et s'il n'est plus saint, il meurt, il va en enfer. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quelqu'un qui ne passe pas la délivrance, son péché le rattrape à tout moment. Et jusqu'à ce qu'il voie, paf, il est mort, il est parti en enfer. Donc, la sanctification, sans ça, tu ne rentres pas au ciel, tu ne verras pas le Seigneur. Donc, si Dieu t'aime, c'est que tu es saint. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui-là qui reconnaît qu'il aime Dieu. C'est par lui qu'on reconnaît qu'il aime Dieu. Parce que quand le musulman se lève, chaque 4 heures, il prie, à midi, il est parti. Et tu vas le voir aussi parfois à 16h ou à 18h en train de prier. C'est par là qu'on sait que lui c'est un bon croyant. Dieu c'est le cœur, Dieu c'est le cœur. Matthieu 15, verset 17 à 18. Dieu c'est le cœur, Dieu c'est le cœur. On va voir ce que Dieu dit du cœur. Que les gens arrêtent de nous tromper. Nous on veut être sanctifiés pour aller au ciel. Matthieu chapitre 15. Verset 17 à 18. Le verset 17 au verset 18. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc ce qui va sortir de ta bouche, ça vient du cœur. Quand tu dis à quelqu'un, tu m'énerves, c'est sorti de ton cœur. C'est de ton cœur là. Comme ça, combien de jours tu penses à elle, elle t'énerve. Pourquoi t'as fait ça? Quand tu dis, je vais aller payer poisson, c'est parce que ton cœur a pensé à ça, c'est pas ça? Mm-hmm. Tu dis, je vais rendre visite à ma tante, à mon oncle, c'est parce que tu commences à penser à lui. Donc ça, c'est pas dans ton nom? Yeah. Donc si tu vas au salon de coiffure, et puis tu dis, hey, mettez Rouaga, sans qu'elle descende jusqu'à toucher le talon de mon pied là. C'est parce que ça, tu as eu ça dans ton nom? Alléluia! Donc c'est là que vient, c'est là que commence le péché. Allons-y, homme de Dieu. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille ton homme, c'est ce qui souille ton corps. Et quand ça te souille, tu n'es plus sanctifié. Et si tu n'es plus sanctifié, tu es lié par les bandes. Maintenant si tu es lié par les bandes, tu meurs, tu vas aller en enfer. Allons-y. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Ton esprit là, c'est ça que la pensée. À quoi tu penses matin, midi, soir? Ça souille ton âme. Et ça se reproduit sur ton corps. Plus tu penses, par exemple, à voyager, le voyage s'approche de toi. Tu penses à monter avec, en puissance avec Dieu. Ça s'approche. Tu commences à sentir que le Seigneur t'envoie des personnes qui vont te parler de l'onction, de la puissance, du feu, que tu puisses grandir avec le Seigneur. Mais quand tu penses, par exemple, comment tu vas faire un plan pour pouvoir faire tomber telle personne, ça se produit. Je me rappelle, avant, quand on voulait boire, si on a programmé un programme pour le samedi, tu vas voir qu'à la dernière minute, vendredi, tu as gagné l'argent. Parce que tu as pensé à ça. Comme ça, vous dilapidez, ça ne vient pas. Tu vas boire. Et puis, tu as dépensé jusqu'à... Tu penses à un projet, des petits trucs, comme ça, pour le diable, automatiquement, à la dernière minute, ça vient parce que tu penses à ça. Ton travail est de penser que le diable aussi touche ton âme. Il souille ton corps. Maintenant, quand tu penses à ça, et que tu as pensé à un vêtement, tu t'en prends le vêtement, tu mets sur ton corps, non seulement tu as souillé ton corps, tu as souillé ton âme, tu as souillé ton esprit.
Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te dit que Dieu c'est le cœur, oui, il t'a dit oui, Dieu c'est le cœur, c'est vrai. Mais regarde à l'intérieur du cœur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du cœur. Allons-y, homme de Dieu. Verset suivant. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Regarde, même tuer quelqu'un, ça commence dans le cœur. Oui. Alléluia. Mais tu peux te lever comme ça, tu as tué quelqu'un. Tu as médité ça, tu as médité dans ton cœur depuis un moment. C'est pas ça? C'est ça. Donc tu as prévu en même temps. Si jamais il y a danger, voilà ce que tu as fait. Si jamais il y a quelque chose, voilà ce que tu as fait. Ça se passe dans ton cœur. Allons-y. Les adultères. Adultères, avant d'aller coucher un mari de quelqu'un. Ou bien coucher la femme de quelqu'un là. Ton esprit a déjà préparé ça. Hey, toi tu connais. Donc quand tu vas, quand tu rentres, tu dis non, la porte ouvre comme ça, ouvre comme ça, ouvre comme ça. Là, dès qu'il y a un mec, il peut glisser ici, il peut glisser là, il peut glisser là. Et tu as déjà fait signe à ton frère. Frère, dès qu'il t'appelle, c'est qu'il y a danger. Tu as préparé tout ça. Et moi, j'étais champion dedans. Alléluia. Vous savez quand on est jeune, arrivé à un certain âge, c'est les femmes eux-mêmes qui viennent. Et parfois, ce sont les nyaïs qu'on appelle les personnes, les femmes âgées. Des femmes qui sont plus grandes que toi, des grandes soeurs, qui est mariées. Mais elle dit, elle veut de toi. Toi aussi, mon cher, tu connais pas Jésus. Tu es dedans. Gloire à Jésus. Amen. Dans la nuit, quand il me cache voilé, je regarde comme ça. Parce qu'elle est dans une cour. Alléluia. Et dans la cour, il y a les voisins. Donc, elle est là, elle sort, elle regarde. Elle dit, non, ils sont encore dehors. Ils sont encore dehors. Ils sont encore dehors. Ils sont rentrés. Faut voir le gars maintenant. Et puis, paf, je rentre. Quand on finit de faire nos bêtises, c'est elle encore qui vient. C'est quelle souffrance ça? Gloire à Jésus. C'est souffrance, hein? Ton cœur bat, poum, poum, poum. Hein? Tellement tu es en train de voler quelque chose. Vol, mais c'est pas bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ça s'est passé dans mon cœur. Avant que je ne vienne aujourd'hui, là, on a déjà parlé ça 3 jours. Mon cœur a médité. Il a dit oui, tout ça, il a accepté. C'est comme ça. Alléluia. Ensuite, hein? Les impudicités. Impudicité, masturbation. Hey. Alléluia. Moi, j'étais premier dans ça. Alléluia. Il y a mon téléphone. Quand il est minuit, même si je suis dans le trou des rats, il y a cherché connexion. Il est tremble comme ça. Hey, c'est pas petit, hein? C'est pas du jeu. Le diable, quand il te tient, quand il te tient, tu peux pas. Toi-même, tu sais pas pourquoi tu fais mettre là. Alléluia. Amen. C'est l'enseignement de délivrance qui a commencé comme ça. Hein? Donc, si tu es disposé, tu vas comprendre ton péché. Tu vas abandonner aujourd'hui. Le Seigneur va te libérer. Alléluia. Amen. Donc, quand il est minuit comme ça, s'il voit qu'il n'y a pas de connexion, il commence à me lamenter. Parce qu'au-dedans de moi, il faut que ça se fasse. Je vais aller télécharger. Je vais aller. Comment Orange Money là. Il achète passe là-bas en même temps. Pas, 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 pas. Ça vient de moi. Et quand il finit de regarder jusqu'à. Il est fini de m'amuser. Il est content maintenant. Et puis il est libre. C'est là maintenant il est dormi. Donc s'il est fini à 4h, c'est à 4h, il dort. Parfois, c'est égal à 6h. Où est la souffrance, mon? Où est la souffrance, non? Et tout ça se passe dans ton. Gloire à Jésus. Ah, Dieu, c'est le cœur, Dieu, c'est le cœur. Si là, ton cœur est. Si ton cœur est pourri, là, ça c'est passé sur ton corps. Ça c'est vrai. Si ton cœur est pourri, oh, y a rien. Ton corps aussi va réagir de la même manière. Donc quand on voit ton caractère, on peut connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. C'est pas ça? Des personnes qui ont été blessées, qui ont eu les blessures internes, elles ne s'approchent pas des gens. Elles ne s'approchent pas des gens. Elles sont toujours dans les côtes. Parce qu'au travers de leur caractère, tu peux savoir ce qu'ils ont subi dans les côtes. Et, si, les serviteurs de Dieu qui ont le ministère de la délivrance sont aussi des psychologues. Ils savent étudier. C'est un don que le Seigneur leur donne. Alléluia. Allons-y. Les vols. Les vols. Hein? Avant de voler, là, regardez comment le voler programme toutes choses. Il programme. Hey, quand il a pris là, toi t'as dit non, c'est pas lui. Mais le petit qui était à côté de lui dit, hey,
C'est vrai, le petit est à côté de moi. Tu as acheté le petit, là. Lui, c'est fini, on l'a oublié. Mais la manière dont il t'a parlé pour que tu puisses imaginer que c'est le petit, là, il t'a lancé là-bas rapidement. Tout ça, c'est programmé dans son cœur. Il va tout faire. Il y aura quelqu'un à côté de lui. Tout ça, c'est programmé dans son cœur. Thierry, t'es là. D'accord. Alléluia. Allons-y. Les faux témoignages. Les faux témoignages. On t'a dit quelque chose, toi, t'as dit le contraire. On t'a dit quelque chose, tu as ajouté dessus. Tu as fait un témoignage, tu as fait des magouillas. C'est ce que moi, je l'appelle. C'est comme ça que j'appelle. Tu as dit un peu de vérité, puis derrière, là, tu as mis un peu de mensonges. Quand tu as fait des magouillas, là, il fait blanc, il fait petit noir. Il fait noir, et puis un petit blanc derrière. Alléluia. C'est ce que tu as fait. Allons-y. Les calomnies. Les calomnies. Hein? Voilà les choses qui souillent l'homme. Donc voilà les choses qui souillent l'homme. Alléluia. Dans tous ces aspects-là, on peut voir ce sont les péchés. Meurtre, vol, impudicité, calomnie, faux témoignage et toutes ces choses, ça provient du cœur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand quelqu'un dit que la sanctification, c'est seulement le cœur qui t'a menti, c'est le cœur et c'est aussi le corps. Parce que ce qui va sortir de ton cœur, là, ça va habiller ton corps. Donc si tu t'habilles mal, c'est parce que c'est là pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ok. On va parler maintenant de l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. On va descendre maintenant comme l'éclair. On va descendre dans le message. 1 Corinthiens 7, verset 2. Verset 2. Tu prépares Genèse chapitre 34. Je ne pas Deutéronome 22. Je ne pas 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 2. Verset 2. Toutefois. Toutefois. Pour éviter l'impudicité. Éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Que chaque femme ait son mari. Amen. Excusez-moi, qui n'a jamais connu d'homme? Alléluia. Qui n'a jamais connu d'homme? Ok, c'est bien bon. Allons-y, homme de Dieu, reprends. Toutefois. Toutefois. Pour éviter l'impudicité. Pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Que chaque femme ait son mari. Hey, amen. Au commencement, cela n'était pas ainsi. Quand on dit au commencement, cela n'était pas ainsi. Ça veut dire que ta vie que tu mènes maintenant, au commencement, cela n'était pas ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu a déjà réservé celui qui doit rester avec toi. Si, et seulement si, tu as été prédestiné pour le mariage. Gloire à Jésus. Amen. Si tu étais prédestiné pour le mariage, le Seigneur a déjà réservé ton mari, il a déjà réservé ta femme, tes biens, ton travail que tu as fait, tout est déjà réservé. Au commencement, il n'était pas ainsi. Ce que tu vis aujourd'hui, au commencement, il n'était pas ainsi. Mais cela a commencé où? Genèse chapitre 3, verset 1. Après, tu sautes, tu vas au verset 15. Allons-y. Genèse chapitre 3. Verset 5. Verset 1 avant. Le serpent était le plus rusé. Si c'est le verset 1. Au nom de Jésus, nous lisons. Amen. Le serpent était le plus rusé le de. Le serpent était le plus rusé de. Tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Allons-y. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit. Dieu a-t-il réellement dit. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit. Au serpent. Oui. Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en mangerez vous point. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Oui. Vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir, hein? Mais Dieu sait que. Mangez la pomme, mangez le fruit. Vous n'allez pas mourir, mon cher. Copinage, la prophète. Tu ne m'as pas, c'est ce que je dis. Mais quand tu avais une voiture, tu as dit, hein, t'es morte? Hein, c'est pas moi. C'est comment? Hein, c'était bien. Hein, ouais, t'es morte? Non, non, il est un garçon. Non. Il sent comment? Hein, il sent bien. Est-ce que t'es mort? Non, il est mort. Il est dit, non? C'est pas ça? D'accord. Allons-y. Mais Dieu sait que. Dieu sait que. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Voilà, le jour où tu as fait ça, le lendemain, tu as des yeux comme ça. Tu vois clair. Alléluia. Quand ta maman connaît, t'es innocente. Quand il vient à côté de toi, il y a quoi. Mais une fois que tu connais, quand il vient vers toi,
touché même. Allons-y, homme de Dieu. Et que vous serez comme des dieux, avec petit d. Alors, la femme vit que le fruit était bon. La femme vit que le fruit était bon à manger. Elle a vu que le fruit était bon, allons-y. Bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, allons-y. Elle prit de son fruit. Elle a mangé. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Elle a donné à M. Kipré. Allez, tiens. Qui était auprès d'elle. Faut manger rapidement, on va avancer. Et il en mangea. Oh, lui aussi, il a mangé, il est rassasié même. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Donc le péché te rend. Le péché te rend. C'est la Bible qui a dit non. C'est pas moi. Péché là, en d'autres termes, ça veut dire désobéissance. Si ton père te dit à partir de 22h, reste à la maison. Quand tu ne restes pas à la maison, tu appelles quoi? Tu as désobéissance. C'est pas ça? Donc péché veut dire désobéissance. Allons-y. Et ayant conçu des feuilles de figuier. Donc ils ont pris des feuilles de figuier. Il s'en fit des ceintures. Alors. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va expliquer. Regardez, quand tu n'as pas encore connu le Seigneur, tu es innocent. Tu es innocent. Tu ne connais rien de tout ce qu'est la nudité. C'est pourquoi une fille de 16 ans, quand elle n'a pas reconnu un nom, elle peut se mettre là, elle va se laver. Elle dit, wow, arrête ça, parce que la personne qui a été criée, ou la maman, ou le frère, lui, il connaît déjà. Donc pour lui, c'est un scandale. Mais elle dit, mais je fais quoi? Et puis elle pleure. Tu la vois, elle est nue. Elle dit, voilà tout encore la voix de tes problèmes. Parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas qu'elle est nue. Gloire à Jésus. Mais le jouet qu'on est, même si son mari a fait comme ça. Donc quand la voix de l'Éternel appelait pour dire Adam, Adam, où es-tu? Il s'est caché. Elle aussi s'est cachée. Mais lui, il a pas dit. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Oui. Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. D'après quand l'Éternel vient, c'est Adam qui dit, oui mon père, je suis là. Mais cette fois-ci là, il s'est caché. Allons-y. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il appelle l'homme. Et lui dit. Il dit quoi? Où es-tu? Tu es où? Mais est-ce que Dieu ne le voit pas? Il le voit très bien. Il le voit, non? Alléluia. Amen. Mais Dieu demande encore. Où es-tu? Allons-y. Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Oui. Parce que je suis nu. En ce moment-là, quand tu appelles la soeur, quand elle voit que tu es venu dans la maison, il y a quoi? Ah, mais il y a quoi? Elle veut tirer des petits pattes avec. Eh, adieu. Toi, attention. Si tu vois que ton enfant fait ça, attention. Récupère-la rapidement. Alléluia. Certainement, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'elle a la conscience du péché, du sexe. Ça veut dire. Alléluia. Amen. Donc, Adam a reconnu qu'il est nu. Alléluia. Adam a reconnu qu'il est nu. Donc, le péché t'enlève la couverture divine qui est sur toi. Surtout le péché sexuel. Et c'est ça que nous allons approfondir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la source de tous nos problèmes, la majorité, c'est là. On n'a jamais su. C'est là le véritable. C'est la plus grande porte par laquelle les démons passent. Ouf. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Verset 15. Je mettrai inimitié. Le Seigneur dit, je mettrai inimitié, c'est-à-dire une séparation entre en toi et la femme. Entre toi et la femme. En ta postérité et sa postérité. Donc entre sa descendance et toi ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Blessera le talon. Donc regardez. Au commencement,
Ce n'est pas ce qu'on voit, le monde. Le chaos, là, ça a commencé par deux personnes. Adam et... C'est là que tout le chaos a commencé. Le serpent a mis dans l'homme sa semence. Bah! Depuis que l'homme a péché, la mort aussi est remplie. C'est pourquoi Romains 6, 23 nous dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Donc le salaire que Adam et Ève ont, c'est la mort. Alors qu'ils devaient vivre éternellement. La preuve, Dieu les a bénis, c'est pas ça? Il dit soyez féconds, c'est pas ça? Mm-hmm. Donc elle remplit la tête, c'est pas ça? Mm-hmm. Donc ça n'a rien à voir avec le sexe. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mais le péché qui est la désobéissance va emmener l'esprit de mort. Et quand l'esprit de mort rentre dans ta vie, il est dans ton sang. Donc d'Adam maintenant, le Seigneur maintenant va, le diable maintenant va récupérer sa semence qui va former une personne. Alléluia. Adam est au péché. La semence est rentrée. Mais la semence doit sortir par une personne qui va combattre les autres. C'est pas ça? Mm-hmm. Parmi les enfants de Adam et Ève, il y avait un qui s'appelait Cain. Cain. Il est la semence du diable. La représentation. Lui, il est mauvais. Gloire à Jésus. Amen. Jusqu'à tuer son frère. Regardez la semence du péché. Tu as étonné ton fils se bagarre avec les autres. Tu as étonné que ta fille, elle ne supporte pas qu'on mange avec elle. Au commencement, n'était pas ainsi. Rappelle-toi ton péché. Tu as ouvert cette brèche. Alléluia. Quand il est sorti, il a la semence du diable en lui. Donc il ne supporte pas la semence de Dieu qui est Abel. Automatiquement, il a tué Abel. Mais pourquoi le diable fait ça? Parce que le diable veut créer aussi une race à lui. Une race de pécheurs, de pécheresses. Une race impudique, une race adultérée. C'est ça que lui veut créer aussi. Une race meurtrière et meurtrière. Des personnes qui avortent seulement, c'est ce que lui veut faire. Il veut créer une race comme ça. Parce que lui-même, il est le père du mensonge. Il est celui-là qui aime le sang. Il aime celui, il aime la mort. Alléluia. Amen. Donc, il faut commencer par la source qui est Adam et... Donc quand le péché est rentré, le péché rentre dans ton sang. Alléluia. C'est pourquoi, comme le sang est souillé, le sang est impur, le sang est sale, et toute descendance qui va sortir de nous va marcher comme Caïn pour annuler cela, Dieu lui-même, qui est la parole, il prend un corps, il vient sur la terre, il meurt pour toi, il meurt pour moi, pour que son sang verse. Afin de laver ton esprit, afin de nettoyer ton âme, afin que toi, la malédiction que Satan, le diable, a injecté à ton père, à ta mère, puisse s'arrêter à ta partie de toi. Alléluia. Amen. Là maintenant, de ton sang va sortir une nouvelle génération. Voilà pourquoi le Seigneur t'a dit, viens faire la délivrance. Viens arrêter cette malédiction qui continue dans ta famille. Alléluia. Vous voyez un peu maintenant? Parce que si tu n'arrêtes pas cette malédiction, de tes enfants vont sortir des rebelles, des meurtriers. Alléluia. Des impudiques, des prostituées. Hommes comme femmes. Mais le Seigneur ne peut pas cela. C'est pourquoi sa race pure doit continuer en toi. Donc tu deviens automatiquement l'Adam que l'Éternel a choisi pour pouvoir reconstituer tout ce que tes parents ont gâté. Donc tu deviens automatiquement le Gédéon de ta famille, celui-là qui est chargé de délivrer tout Israël. Tu deviens automatiquement le David de ta famille, celui qui est chargé de délivrer Israël de la main des Philistins.
Alléluia. Amen. Donc, si l'esprit de mort est rentré dans ta, dans ta famille, c'est parce que ton père, qui était là-dedans, n'a pas veillé. Il a fait ce qu'on appelle la désobéissance. Selon Exode 20, versets 4 à 5, le Seigneur nous dit. On va comprendre. Exode chapitre 20, le verset 4 à 5. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne te prosterneras pas. Et tu ne les serviras point. Deux, tu ne dois pas donner foufou. Tu ne dois pas verser une rouge. Tu ne dois pas les servir. Tu ne dois pas dire non, voici arbre de la famille. Oh, voici caillou de la famille. Voici canari. Voici voici, tu ne dois pas faire ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Allons-y. Car moi, oui, l'Éternel ton Dieu. Donc l'Éternel ton Dieu qui est Jésus. Je suis un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Amen. Il est le Dieu jaloux. En d'autres termes, Dieu, il n'est pas jaloux. Mais lui-même, il s'appelle jaloux. C'est-à-dire quand tu mets Jésus, il faut mettre jaloux devant. Il n'y a pas quelqu'un qui est jaloux que notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y. Qui punit l'iniquité des pères. Écoutez bien. Donc, Dieu va punir l'iniquité de ton père. L'iniquité, c'est le péché conscient. Ton père sait que ça, là, c'est pas bon, il a fait. Parce que lui, il est rien. L'évangile était là il y a longtemps. Il dit, oh, ça c'est dans les traditions. Et puis, oh, laissez ça, nous on est dans la tradition. Et puis, il est là. Ils sont en train de danser avec les koutoukous, les boissons, les alcools. Ils sont en train de faire les fétiches. Parce que pour lui, ça n'a pas d'importance. Papier, bon, c'est papier qui a fait quoi. Non, mais où l'esprit te parle en même temps direct. Alléluia. Donc, Dieu dit, je punis l'iniquité des pères. Sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la troisième. Jusqu'à la troisième. Et la quatrième génération. Quatrième génération. De ceux qui me haïssent. Donc de ton père qui l'a haï, de ta mère qui l'a haï. Gloire à Jésus. Donc regarde où ta délivrance remonte. Jusqu'à la source. Tes parents. Pour une vraie délivrance, pas aller jusqu'à la source. Où ça a commencé? La dernière fois, on a commencé ça. Quand on a commencé à prier, il y a un jeune qui était là. Démon, un esprit de famille. Le démon s'appelle. Il dit quoi? Il est un démon royal. Le jeune vient d'une famille royale. Le démon s'est manifesté. Jamais il dit qu'il ne pas. Hey, c'était chaud. Prier ici. Taper jusqu'à la nuit. Il dit qu'il ne pas. Parce que quand on a commencé, vous savez, la parole de Dieu est une épée. Quand on parle du Saint-Esprit, il est là. Et puis il commence à maintenant à tirer. Donc si l'esprit est là, automatiquement, l'esprit se manifeste. Quand on a commencé la repentance, puisque le jeune doit se repentir selon ce qui est écrit, on va lire après. Automatiquement, s'il y a repentance, il y a le sang de Jésus qui vient. Et si le sang de Jésus vient, les témoins ne supportent pas le sang de Jésus. Ils sont obligés de lâcher prise. Donc en voulant lâcher prise, ils sont obligés de sortir maintenant de l'être. De la fourreau. Et puis maintenant, il répond maintenant. Il y a quoi? Laisse-nous tranquille. Certains d'entre nous se retrouvent un peu dans quoi? Dans ça. Et c'est comme ça. Et l'esprit a commencé à parler. Parce que ta délivrance. Ton cœur, aujourd'hui, là, tu as été sincère. C'est-à-dire, du fond de ton cœur, tu as reconnu que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. Tu as vraiment décidé d'abandonner. C'est pourquoi la délivrance s'est opérée comme ça, automatiquement. Donc, tu as senti en toi que c'est la mort qui sort. Ne t'inquiète pas. Les démons sont dans les sorties par là. Donc, tu as senti en toi que c'est les larmes qui coulent. Ne t'inquiète pas. Libère-toi. Donc, tu es là et puis tu as envie d'aller aux toilettes. Tu es là, tu as envie d'uriner. Ne t'inquiète pas. Tout le monde ne manifeste pas comme les autres. Mais quand tu as compris et que tu as te repenti sincèrement, c'est le Seigneur lui-même qui va descendre comme ça. C'est le même qui nous a libérés, c'est le même qui va vous libérer. Alléluia. Donc Dieu, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Troisième, quatrième génération. De ceux qui les haïssent. Quand ton père allait devant le bois, et puis il a versé le kotoukou, il a versé l'alcool, tout ça. Il a haï Dieu. Il n'a pas aimé Dieu.
Il n'a pas aimé Dieu. Il a haï. Donc la malédiction descend sur lui. Maintenant lui, il t'a engendré. Toi, tu es innocente. C'est pas ça? Mais tu as payé. Parce que quand il prenait l'argent du fétiche, et puis il prenait une couche pour te faire porter, et puis tu s'en vends, bébé, bébé, tout le monde te soulève. Tu penses que Dieu va voir ça? Oh, il n'y a rien fait. Oh, il n'y a rien fait. Ouais, tu as payé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc les démons, ils vont te faire payer ça d'une manière. C'est pourquoi les démons vont te conduire dans les péchés qu'on va citer. Parce que plus tu fais ça, plus tu payes. Parce que quand tu fais ça, selon le livre d'Apocalypse, il y a un chapitre là, où il y a l'ange qui est chargé de te frapper lorsque tu pêches, avec une flèche. C'est pourquoi quand tu pêches, toi étant enfant de Dieu aujourd'hui, quand tu te rappelles avant, quand tu commettais un péché bizarre, tu sentais qu'en toi, il y avait un malheur qui t'arrive. Quand j'ai fait quelque chose, ça va à son mari, ça devient bizarre. Ça veut dire que toi, tu as la semence de Dieu en toi. Dans même temps, dans le monde, Dieu t'est frappé. Alléluia. Donc, quand il parle de quelqu'un, après, ça s'est fait. Il dit, ah, c'est ça qui est fait. T'as la semence, tu dois pas faire ça. Alléluia. Donc, tes parents, ils ont fait ça. C'est eux qui ont fait d'abord la brèche. Si on dit, tu commences comme ça, là, ça a commencé. Mais si on tâche, il n'y a pas un exemple, une chambre. Il y a un robinet qui est ouvert. Et nous sommes en train de torchonner le sol. Mais le robinet est ouvert. On va torchonner jusqu'à Zira Vatican. Hein? Hein, c'est pas ça? Mm-hmm. Jusqu'à 10 000 ans, on torchonne son mort. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut d'abord fermer le robinet. Mais si tu n'as pas vu que c'est le robinet. Si tu ne sais pas que c'est le robinet, tu fermes comment? Alléluia. C'est pourquoi quand vous priez, le Seigneur vous montre la source de l'eau. Quand vous priez, le Seigneur vous montre le problème principal avec Dieu. Et quand tu viens à l'enseignement, le Seigneur, au travers de la parole de Dieu, te montre le problème familial. Et il ouvre l'esprit. Dieu va te parler dans ton esprit. Quand tu as fait un récompense, paf, délivrance. Gloire à Jésus. Donc, comme Dieu a dit à toi écrit, il va te parler selon ce qui est écrit. Matthieu 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Pardon, Apocalypse. Pardon. Excusez-moi. Apocalypse 11, verset 12. Apocalypse 11, verset 12. Et il entendit du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montaient au ciel dans la nuée. D'accord, parlons, on prend 12, 11. Apocalypse 12, le verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Uh-huh. Et à cause de la parole de leur témoignage. Uh-huh. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre la mort. Allons-y. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Écoutez bien. Le ciel, réjouissez-vous. Et vous qui habitez dans les cieux. Donc les anges, soyez en joie. Alléluia. Ceux qui étaient sur vous aussi, soyez en joie. Mais. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Donc depuis le temps, il est descendu sur la terre. Même les poissons de la mer ont commencé à crier, ouais, au secours. C'est gâté. Lui qui est descendu là, yeah, c'est pas bon. Malheur à la terre et à la mer. C'est pourquoi les monstres marins qu'on avait avant, on ne voit plus ça. Avant, on avait des géants poissons. Comme le diable, lui, il n'a pas rien, et lui veut détruire, il incite les hommes à les tuer seulement. Des poissons, quand tu tombes dans la mer, ils te soulèvent, ils te font sortir. On dit, oh, des dauphins, il y avait des cailloux requins, il y avait des monstres, on les appelle des monstres marins. Des vrais poissons qui étaient dans l'eau. Quand quelqu'un descend dans l'eau, on est innocent. On le fait sortir. Il n'y a pas un poisson qui avale Jonas. Hein? Mais imagine un poisson qui avale l'homme, il est comment? Hein? Jonas aussi, on va décrire sa forme. Imagine s'il est un poisson gaillard comme ça. Mais le poisson avale. Et quand il dort dedans, il se met se coucher derrière tout ça. Le poisson va être comme ça. Alléluia!
Alléluia. N'est-ce pas qu'Adam parlait aux animaux? Hein? Au commencement, il n'était pas ici. Donc, quand le diable est descendu sur la terre, dans l'eau, dans les rivières, dans les lacs, dans les marigots, voilà maintenant ton père qui était un grand chasseur. Il a pris son fusil, il est allé au champ. Et quand il est allé au champ, il a vu une gazelle. Il voulait tirer, la gazelle s'est transformée à une personne. Et la gazelle lui dit, ne me tue pas, ne me tue pas. Mais je peux te rendre riche. Il a entendu une richesse, il dit, hein? Ça me donnait quoi? Il dit, ok, il va te transformer de l'or. Prends-moi, crée une maison dans ta cour, dépose-moi là-bas. Il te parlait continuellement, il te dit ce que tu dois faire. Paf, il s'est transformé de l'or. Le vieux a pris. Arrivé maintenant, sa femme a préparé à l'eau chaude. Il dit, non, laisse-moi, laisse-moi. Allez, quand il commence à construire une maison, ah, mais le vieux a quoi? Hé, hey, t'es vous là-bas. Laissez-moi, il a commencé quelque chose. Vous ne savez pas ce qu'il s'en est fait, vous ne savez pas, mais c'est pour vous-même votre bien. Et puis, on commence à bâtir une petite maison. Et quand on commence à bâtir une petite maison, on commence à déposer un petit truc. Il dépose son or, il cache. Il dit, personne ne rentre ici. Et quand il rentre là-bas, l'esprit le parle. Il dit, oh, je n'ai jamais vu ça. C'est prosterne. Même si l'esprit lui dit, aujourd'hui, tu as mangé kafa, il mange kafa. Mais lui-même, en réalité, il ne peut jamais manger kafa. Alléluia. Alléluia. Écoutez très bien où l'histoire commence. C'est ce que je suis en train de relater comme ça. L'histoire des parents, c'est là-bas que ça a commencé. Et c'est comme ça qu'il a commencé à adorer. Et l'esprit lui dit, non, sur l'or là, tu as versé un peu de sang. Il dit, hé, hey, pourquoi tu es quelqu'un? Il dit, non, ça c'est poulet. Chaque mercredi, tu t'habilles en rouge. Maintenant, je te rends riche. Et il commence à avoir beaucoup d'or. Il faut s'en vendre. Il a beaucoup d'argent. Maintenant, les autres disent, hé, hey, Kofi, mais t'es devenu riche, hein? Bon, t'es pas comme roi. Mais nous sommes entrés avec quand il y a l'argent, il veut devenir maire. Il veut devenir président. Et puis, il s'établit, non? Parce que les hommes aiment celui qui est bien. Bon, moi, ici, pauvre, il a dit, il est devenu roi. Vous me giflez. Giflez, vous me faites là. Mais toi, c'est l'argent du peuple, tu comptes. Il faut quitter là-bas. Alléluia. Donc il a de l'argent, il a de l'or, il est riche. Alors qu'est-ce qui se passe? On établit roi. Mais un roi, ce qu'il dit, c'est ce que le peuple doit faire. Mais comme les démons veulent régner, ils vont leur donner la couronne de royauté. Mais la couronne satanique. Ceux qui viennent d'une famille royale, vous savez de quoi ils parlent. Le roi, c'est ce qu'il va dire. Ça, le peuple doit suivre. Donc les démons, comment ils vont régner sur le peuple? Il faut passer par une personne. Et le vieux est devenu roi. On dit, ton grand-père était roi, oui, mais voici ce qu'il faisait, voici ce qu'il faisait. Après, jusqu'à... Le petit va demander, non, pour que tu puisses taper tes ennemis, les voisins et tout ça, et puis faire grandir le royaume, il faut sacrifier un nouveau-né. Il envoie quatre gars, ils vont prendre des nouveaux-nés. Sacrifice, verse le sang. Sa puissance grandit. Il sacrifie un de ses fils, sa puissance grandit. Il sacrifie quelqu'un d'autre, sa puissance grandit. Et charge le sang humain versé. Et l'esprit le parle continuellement. Et maintenant, toi, tu es né dans une famille comme ça. Où il y a eu la sorcellerie, ils ont tué toutes ces personnes-là qui sont versées. Le sang des personnes qui sont versées. Le sang innocent, on appelle ça le sang innocent. Les innocents. Maintenant, tu es né, tu as grandi. Tu ne comprends pas. Mais quand tu dors, il y a quelqu'un qui crie. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Il y a quelqu'un qui te réclame quelque chose. Il y a quelqu'un qui te poursuit. Tu te vois toujours dans la maison familiale. Tu te vois toujours dans l'eau. Tu te vois toujours dans la forêt. Tu te vois toujours quelque part. Il y a un problème. Alléluia. Toujours tu vois que soit tu tues des animaux. Ça veut dire quand tu regardes un peu même peut-être la famille, le père était peut-être chasseur. Il adorait l'esprit de famille et l'esprit de forêt. Donc c'est un signe de l'esprit de forêt. Ça veut dire qu'il y a eu le sang des personnes qui sont versées. C'est ce que le Seigneur te révèle parfois dans les songes. Donc c'est une forme de sorcellerie. Et quand toi tu fais ça, automatiquement, tu es condamné selon la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Donc le Seigneur ne te condamne pas. Au travers de ça, on bloque toutes tes finances. On bloque ta vie. On bloque toutes les grâces dans lesquelles tu vas rentrer.
tes dons ministériels, tous sont bloqués. Pour que toi tu puisses réussir, tu dois retourner au village. Aller voir. Fétiche que papa adorait là. C'est ça que tu dois adorer. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Parce que si tu n'adores pas, selon l'alliance que les démons ont tissée avec ton père, tu n'as pas le droit de réussir. Si tu dois réussir, tu dois faire la même chose que le père fait. C'est pourquoi les enfants, ils sont en Abidjan, et puis pour un temps malade, on dit non, lui là, on l'a choisi au village, c'est lui qui doit être gardien de l'hôtel. Pourquoi? Voilà le péché. Dans cette malédiction là, ça te suit. Dans l'esprit de forêt, il y a la colère qui va commencer à t'animer. Tu ne comprends rien. Tu as l'esprit guerrier. Toi, tu es une femme, mais tu frappes des garçons. Des filles qui partent avec quatre garçons, les frapper. Tu as dit, c'est là, quand elle s'énerve, on ne peut pas l'arrêter. Ce démon-là, c'est un démon de forêt. Mais il a quitté où? Depuis la famille. Est-ce que côté paternel, ils ont adoré? Est-ce que côté maternel, ils ont adoré? Si tu ne sais pas, quand tu vas demander pardon au Seigneur, le Seigneur va te montrer quelque chose. Ou soit il va t'orienter lui-même. Quand tu vas te repentir, il va faire le travail seul. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce qui fait qu'on tâtonne, on tâtonne, on tâtonne, on tâtonne. Maintenant, l'esprit de forêt, qu'est-ce qu'il fait? Avec lui, tu ne peux pas te marier. Regarde comment ça fonctionne. Ton père adoré, l'esprit de forêt. Quand tu trouves quelqu'un, tu es doux avec, douce avec lui. Quelque temps après, il fait un petit truc, ça t'énerve, tu le parles mal. Il dit, yeah. Bindou, c'est toi qui m'as parlé comme ça. Oumou, moulokei, mon cher. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Mais il comprend rien. Et puis après maintenant, hé bébé, pardon, il dit, femme comme ça là, on n'a pas encore payé d'autres, attends d'abord. Et puis il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir. Deux jours, trois jours, vous êtes bien. Troisième fois encore. Oh non, 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 non. Tu prends un verre, tu casses. Tu prends un téléphone, tu casses. Tu prends un écran, tu casses. Il dit, hé, Aïcha. C'est comme ça que tu fais. Donc c'est ton frère qui a raté qui est là. Et il a dit à son frère. Elle dit, ta femme là, elle est bien. Elle est à la maison, non? Elle va bien, non? Il dit, arrêtez ça. Bon, ma femme, vous ne la connaissez pas. C'est qu'elle est mariée là. Tu ne connais pas Aïcha? Oumou, tu ne la connais pas. Quand Oumou s'énerve, elle a dit, elle casse tout. Ça, c'est pas femme. Il dit, ça, c'est pas femme. Mais toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu as manifesté. C'est après que tu te rends compte. Et tu commences à pleurer. Alléluia. Mais tu es contrôlé par qui? C'est là le vrai problème. Ça se passe en famille là-bas. C'est là-bas la vérité. Et tant que tu n'as pas cette révélation, tu es condamné. La Bible dit, ton père a péché, ta mère a péché, je vais te punir. C'est écrit blanc sur noir. Les démons, eux aussi, vont venir former une autre race qui vont sortir de toi. Une autre descendance qui va sortir de toi. La descendance de Caïn va sortir de toi. Donc il faut que tu t'emmènes dans le péché. Péché, là, l'enfant qui vient sera le fruit du péché. On pourra bien toucher sa vie. Et lui aussi, il sera le deuxième Caïn. Après, le troisième Caïn. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça le péché est rentré dans ton sang. C'est pourquoi Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais le bien que je veux faire, je ne peux pas. Misérable que je suis. Qui peut me délivrer? Jésus seul. Si le Seigneur n'est pas venu sur la terre mourir pour nous, tout ce qu'il avait fait, c'était zéro. S'il n'était pas allé jusqu'à la mort de la croix, tout ce qu'il avait fait, c'était zéro. Alléluia. Le démon de forêt, lui, il t'emmène dans la colère, dans la rancune, dans la haine.
Même quelqu'un qui t'a fait du mal, demande pardon, tu pardonnes jamais. C'est le démon de colère. C'est le démon de forêt là qui fait ça. Dis pardon pas, oh. Même si tu as oublié, tu as pardonné de tes lèvres, mais de ton cœur là. Quand la personne fait s'asseoir à côté de toi, tu dis, ah, il n'a qu'à pousser là-bas. Mais quand même, tu l'as pardonné. Quand la personne est assise ici, toi tu es assis là-bas. Quand elle est assise là-bas, tu es ici. L'esprit de forêt. Dans l'esprit de forêt, il y a l'esprit de mort. Alléluia. L'esprit de bois, bois sacré. Ceux qui viennent des pays comme les Yakuba, ça c'est les dragons de montagne, ça c'est les dieux de pierre. Alléluia. Les démons, dragons de montagne, tu peux pas. C'est les démons qui aussi sont liés aussi aux démons de forêt. La colère là-bas. La haine. Les gens qui ne pardonnent pas facilement. Donc si chez toi, il y a eu ce genre d'esprit là, et que tu sens que ces caractères là sont liés à toi, c'est que c'est un esprit de forêt. Ils sont méchants. Et la méchanceté qui... L'esprit de forêt t'emmène à être méchant. Tu ne pardonnes pas facilement. Tu pardonnes difficilement. Tu sens que ton cœur est noir. Mais tu es toujours vivant. Alléluia. Maintenant, ils sont tombés aussi dans la mer. Les parents étaient pêcheurs. Un peu comme les envoyants. Il était pêcheur. Au village là, c'est lui qui a fini la pêche. Les pirogues, tout ça là, c'est lui qui gère les pirogues. Sois fortifié, on va pas dire. Hein? On va pas dire. Tu peux rincer ton visage, un peu d'eau, rince ton visage, et puis tu t'assois. Ça va te faire du bien. Alléluia. Donc, les démons sont tombés dans la mer, dans la rivière, dans les fleuves, dans les lacs. Maintenant, ton papa est parti pêcher, il a attrapé le poisson. Il veut écailler le poisson, poisson la palle. Ah, ça c'est quel poisson ça? Alléluia! J'ai oublié même, dans le côté de forêt, aujourd'hui, vers le nord là-bas, on ne mange pas gazelle. D'autres, c'est singe. C'est parce qu'ils voulaient tuer singe. Singe a parlé. C'était le premier, la première personne qui était là-bas. C'est lui qui a commencé ça. Donc il dit, à partir de chaque jeudi, chaque dimanche, ou chaque jour, chaque tel jour, personne ne va au champ. C'est le jour où les gazelles vont sortir pour manger les champs, manger les trucs. Et c'est quand c'est les démons qui sont. Donc pour l'eau aussi, le gars allait pêcher, il a attrapé sur lui. Sur lui la palle. Sur lui qui est doux comme ça. À partir d'aujourd'hui là, le roi dit on ne mange plus sur lui. Ah, voilà sur lui qui est en train de grossir dans le village là. Sur lui même te voit, il fait eh, il dit yeah. Eh, tu veux me manger? Tu ne peux pas haut, tu ne peux pas haut. Il ne peut pas me manger et puis il danse comme ça. Patata. Tu dis, hé, eh, si lui dans l'eau comme ça, gros comme ça, tu peux pas manger. On dit, hé, hey, si tu manges, tu meurs. Si lui qui est doux, ton ami en train de parler, il sort sur lui, sur lui. Tu vois, ça passe dans tes narines comme ça. Tu dis, hé, hey, il ne peut pas manger ça. Hé, hey, ça c'est quelle vie ça, mais vraiment. Et puis lui, il mange, il n'est pas mort. Tu dis, non, si moi, il mange, non, comme dans notre village. C'est que là-bas, ça a commencé. Au commencement, c'était pas comme ça. Gloire à Jésus. Donc c'est comme ça les poissons dans les villages ont été décrétés comme des rois. En d'autres termes, c'est les esprits des démons qui sont tombés. Comme ils sont invisibles, ils aiment prendre un corps. Ils ont pris un corps comme l'animal, le bois. Ils ont pris un corps comme le poisson. Et il y a d'autres au même quoi. C'est comme si quand tu vas, il y a une eau là. Tu regardes, tu vois qu'il y a un poisson, il y a un cori ici. Et à côté de lui, il y a d'autres poissons qui sont là. Voilà. La cori, c'est là. Mais toi, tu penses que poisson, il peut avoir cori sur lui, comment? Ah! Poisson, si tu veux là, il faut attacher cori, il faut serrer. Ça, c'est coupé. Parce que lui-même, il glisse. Et le temps après, il grossit. Comment cori est là? Mais quand on voit, il n'y a pas de corde qui est attachée. Cori est là. Yeah! Quel mystère. Donc, pensez-vous, c'est quoi? C'est les démons qui sont quittés au ciel. En tant que les anges qui sont rebellés avec Dieu, contre Dieu plutôt,
qui sont tombés, pas tombés dans l'eau. C'est quoi le Seigneur dit? Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de toi. Et nous sommes à la fin des temps. Lui, ce qu'il veut faire, c'est moissonner ton âme pour l'enfer. Comment faire pour que toi, tu partes en enfer? Il faut qu'il pervertisse tes parents. Tes parents sont pervertis. Ils sont allés vers ce Dieu-là. Ils l'ont adoré sans le savoir que c'est le diable qui est en train d'adorer. Et quand ils ont adoré comme ça, les caractères et l'esprit des eaux, tu sens toi l'envie d'aller vers les hommes. Toi, on ne te drague pas. Quand les hommes sont assis, on ne dit même pas. Pss, pss. Mais toi seul, tu t'appelles, tu les salues. Alléluia. Les hommes sont assis, ils ne t'ont même pas parlé. Mais là, comme tu es en train de marcher, tu vois que personne ne t'appelle. Bonjour. On dit, hé, jolie femme. Bonjour, comment ça va? Et puis c'est là maintenant, elle dit, le caractère des eaux, tu aimes être exhibé. C'est-à-dire que quoi? Quand tu portes ta bille, il faut qu'au moins ta poitrine soit vue. Ta cuisse doit être vue. Tes mollets, bon, si c'est pas joli comme moi là, on sait pas si c'est du bas mollet de bété ou bien mollet de. Bon, on sait pas, mon cher. Mais si mon mollet est joli seulement, tout le monde a qu'à avoir mollet là. Si cuisse est joli, c'est pourquoi tu prends toujours des crèmes cosmétiques. Hein. Tu embellis la cuisse. Quand il y a un petit point noir ici, wouh, tu t'en vas voir, il sait pas la dame là qui a tous les produits. Faut enlever ta tâche là. Elle dit non, faut mélanger huile. Faut prendre H24. Faut prendre huile temps, huile de coco. Faut prendre huile temps, huile de quoi. Faut mélanger ça, enlever tache là. Tu mets, après ça devient tache blanche. Au des noirs, ça devient blanche. Tu dis, il est souffert. Gloire à Jésus. Tu fais jusqu'à. Tu fais, voilà, tache là, tu fais rouge maintenant. Tu dis, bon, ici, fatigué. Maintenant, comme tu peux pas mettre mini ici, tu mets mini ici. Les jours, l'homme a vu ce qu'il t'a déjà dit. Et quand tu vas dans l'impudicité, dès que tu arrives à l'hôtel, le gars va te toucher net, tu dis non, regarde, il vient. Dedans, il connaît. Gloire à Jésus. Et tu vois, celle qui est la première, on va être lumière, regarde, quoi même. Arrête ça. Oh, non, pardon. Moi, il n'aime pas la lumière. Mais tu sais quoi, tu te caches même. Alléluia. Ou bien tu es sorcière. En tout cas. Tu es un démon. Tu bois le sang humain. Bon, ou bien tu veux me manger la lumière. Mon cher. Mais nous aussi, mon cher, nous aussi, on veut se satisfaire, on veut pas dire. Donc, on a envie d'accepter. Oh, toi, tu aimes trop le nom, mais quand même, d'accord, passe ici. Alléluia. Donc, les caractères de l'esprit des eaux. Tu as senti en toi l'envie, l'appétit sexuel. Ça ne te manque pas. Alors que ceux que l'esprit des forêts travaille beaucoup là, elles n'ont pas ce caractère en tant que tel. À moins qu'il y ait de l'eau qui est ajoutée. Elle n'aime pas s'approcher des hommes, avoir des rêves, mais collègue qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle est automatiquement un homme. Donc est-ce qu'un homme peut aller vers un homme? Voilà. C'est pourquoi quand des personnes les draguent, vous allez constater que ceux qui ont l'esprit de colère et l'esprit de forêt, vous allez constater que quand les draguent, elles ont l'aspect d'un homme. D'autres même deviennent hémaphrobites, deviennent efféminés. D'autres même deviennent, c'est que tu sens, deviennent masculins. C'est que des hommes qui portent des vêtements, des femmes qui portent des vêtements d'hommes. Alléluia. Elles commencent à porter les culottes. Elles commencent à porter. Et quand tu parles, tu parles noussi. Mais là, c'est des papas noussi. C'est vrai. Mais quand elle est avec vous, tu sens que les caractères durs. Tu dis, c'est une femme qui est dure comme ça. C'est l'esprit de colère. Tu marches son pied sur moi. Là. Elle va te montrer sous l'œil. Et c'est chose des femmes là. Que pour se marier, c'est difficile. Parce que l'esprit qui habite en elle est un homme. Donc un homme, et avec un homme, ne peut pas se mettre ensemble. Donc elle rentre en foyer, 2 mois après, dehors. 3 mois après, dehors. 4 mois après, dehors. Et le diable fait ça pour que elle soit découragée de la vie. Elle abandonne la main de Dieu. Elle meurt dans ce péché et qu'elle part en enfer. Dans le caractère de l'esprit des eaux, vous allez constater que la fille, elle aime beaucoup les hommes. Même si elle est petite comme ça.
elle a couché son mot au sang. Enfant qui aime un garçon comme ça. Tu ne peux pas comprendre. Quand elle grandit un peu, partout où elle est, elle veut que les hommes soient là. Elle aime se dénuder. Alléluia. Elle sent que l'envie sexuelle. Donc si elle fait un mois quelque part, sans qu'un homme la touche, elle ne va tout faire pour que son cousin la touche. Alléluia. Il va tout faire pour que sa cousine, il couche sa cousine. Et c'est ce qui va créer l'inceste. Quand l'esprit des autres dans une famille, l'inceste rentre. Cousine couche avec cousin, cousin couche avec cousine. Tante avec neveu, tante, tante, tout le monde. Allez, oh, on est renversé quand ça va. C'est l'esprit des autres qui fait ça. L'esprit des autres, vous allez voir. L'esprit des autres donne une forme, surtout aux soeurs. Et il donne une beauté à certains hommes. Quand la fille commence à grandir, l'esprit des autres va permettre qu'elle va faire des pratiques pour pouvoir garder ses seins et ses fesses. Alléluia. Vous allez voir qu'elle va commencer à porter dès maintenant des trucs qui vont soulever ses fesses, comme les collants. Alléluia. Qui soulève ses fesses. Parce que même les collants et les pantalons et tout ça, c'est lié à l'esprit des eaux. Donc, quand elle porte les collants et les trucs, ça soulève ses fesses. À partir de 10 ans, 13 ans, 14 ans, tu constates qu'elle a les fesses bien arrondies, bien jolies. Donc, les démons vont donner une forme à la bien-aimée. Sinon, on a connu des soeurs. Quand elles t'ont montré la photo du monde, et puis qu'elle est venue à Jésus, tu comprends, mais tu dis, ah, forme est partie où? Mon cher, c'est pas forme de Jésus, hein? C'est forme de Jézabel. Alléluia! Mais toi, tu étais guitare solo. Maintenant, tu viens à Jésus-Christ, tu deviens entonnoir. Alléluia! Acclame le Seigneur Jésus! Alléluia! Hey! C'est ce qui est juste. Gloire à Jésus! Donc, on ne comprend pas. Mais effectivement, c'était le mystère qui était caché derrière. L'esprit des eaux t'emmène à prendre soin de ta poriade. Les caractères de l'esprit des eaux. Tu prends soin de toi. Quand tu es là, tu regardes. Ici est noir, hein? Ici est têtu. Hein? Quand elle se lave, 3 heures, dans toi, tu es dehors. Tu attends. Quand tu dors, tu viens. Elle n'a pas encore fini. Elle n'a pas encore fini. Jusqu'à 3 heures. Quand elle finit, elle fait encore 2 heures dans la chambre. Pommade, elle commence ici. Ça, ça fait au moins 30 minutes comme ça. Le temps de bien masser ses doigts. C'est l'esprit des autres qui fait ça. Il ne faudrait pas qu'elle manque la beauté. Elle doit être très propre, très belle. De sorte que quand un homme la voit, il tombe bras. Donc elle va faire, elle va s'embellir. Quand elle voit que la pommade, elle commence à noircir en quelques minutes seulement, même pas un jour. Hein. Quand aujourd'hui elle voit qu'en quelques minutes, elle est en train de noircir, ça veut dire qu'elle est sous le soleil. Regarde, hé, hey, le soleil! Woo! Je n'aime pas le soleil. Puis tu vois Lotus maintenant. Je n'aime pas le soleil. Quand t'es noirci un peu. Quand noirci un jour, deux jours, trois jours, non. Lui, l'endroit, ça a commencé à changer. Ça envoie la mer des mers. La mère dit non, comme ça a changé, il faut prendre telle huile, c'est très bon. Ça vient d'arriver. Ah, d'accord. Elle prend un mélange. Deux jours, trois jours, tu la vois, elle brille comme ça, comme lumière. Quand elle passe, tu dis, yeah, ça a cancer qui passe ou bien, c'est lumière de quoi? Yeah. Elle est belle, elle brille. Donc, elle va mettre pour moi comme ça une heure. Pour moi comme ça, 2 heures. Quand elle finit comme ça, jusqu'à là, ça fait 3 heures de temps dans la chambre. Donc si tu es avec une soeur qui a l'esprit des autres, toi-même tu vas comprendre. Et les frères se rappellent très bien. Elle passe son temps à que sa vie. L'esprit de son caractère, elles aiment dormir nu. Ils aiment dormir nu. Toujours nu. Donc, puisqu'ils aiment s'exhiber. Donc s'il y a un homme dans la maison, il va vouloir forcément avoir rapport avec elle. Elle dort, mais voilà, tout sa poitrine est bien. Elle dort, mais elle a un petit caleçon. Alors qu'il y a un étranger dans la maison, c'est pas son affaire. Elle va passer. Mais c'est quel comportement ça? C'est pas son affaire. Parce que selon elle, elle-même elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est contrôlée par un esprit. C'est l'esprit des eaux. Son papa a adoré, son papa là, il ne mange pas sur lui. Donc l'esprit des eaux est rentré dans le père. Le père a eu 3 femmes, 4 femmes. Le père a eu 10 enfants de différentes mères. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. L'esprit des eaux te conduit.
avoir des enfants de différents pères ou des enfants de différentes mères. Moi, mon oncle, il a eu 6. 6, maintenant, il peut dire 7 avec une. Il a eu 1 avec une. Il a eu 1 encore avec une. Après, maintenant, le reste, il ne sait même plus c'est combien. C'est l'esprit des autres qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Donc, l'esprit des autres va te permettre d'aller homme à homme. Quand tu as un enfant avec lui, il t'énerve. Ou bien lui, il trouve que tu l'énerves. Et puis, paf, il te met à côté. Tu viens à lui, un enfant, paf, il te met à côté. Tu viens à lui, un enfant, paf, il te met à côté. C'est l'esprit des eaux. Donc, ça veut dire que si, ça te, si c'est dans ta vie, retourne en arrière. Et quand aujourd'hui, tu as fait la repentance, à partir de toi, tes enfants ne vont pas vivre cette vie que tu as vécue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour arrêter cette malédiction que Dieu parle aujourd'hui. Pour que cette malédiction s'arrête. Sinon, nous tous, nos parents, on fait ça. Et il y a quelques-uns parmi nous, ça arrive aussi. Mais, toi, il n'y a pas de problème, tu seras sauvé. Mais tes enfants, comment ils vont vivre la suite? C'est pourquoi il faut faire la délivrance. C'est pourquoi il faut faire la délivrance. Pour qu'eux ne subissent pas ce que toi, tu as subi. L'esprit, le caractère de l'esprit des eaux. Masturbation. Elle aime beaucoup se toucher jusqu'à ce qu'elle se masturbe. Elle aime beaucoup regarder la nudité des hommes. Ou il aime beaucoup regarder la nudité des femmes. Quand une femme à côté là-bas, peut-être elle va laver, puis lui, il est premier. Il regarde. Une seule, ça va, il met à quelque part là-bas, tire son cou. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'esprit des hommes va faire que quoi? Il aime beaucoup regarder les films pornographiques. Elle aime beaucoup regarder les films pornographiques. Tout ça dans le but de s'amener à la masturbation. Afin que sa semence sorte. Mais dans la semence, il y a le sang. Dans le sang, il y a la vie. Et quand on prend ton sang, on prend pour encore renouveler l'autel. Donc l'autel a plus de force grâce à toi. Je prends un exemple, je suis milliardaire, je suis à l'église, au réveil international. On dit évangélisation, je donne 100 millions. On paye car, on paye les trucs. Je participe à l'avancement, non? C'est pas ça? D'accord. Maintenant, moi, ici, agent du diable. Un grand masturbateur. Quand il finit, ma semence sort. Ça contribue à donner la force à l'autel. Donc, les esprits se nourrissent du sperme et du spermatozoïde. C'est tout. Au travers de ça, là, il peut toucher moi, ma descendance. Il peut prendre ça, puisque dans le sang, il y a ma vie. Donc, il peut prendre certaines choses qui sont dans ma vie. Donner ça à l'aide d'argent du diable. Quand quelqu'un fait un métier d'argent, il va faire t-shirt. Le fait t-shirt a pris, il prend l'étoile, les termes, cette personne. Il dit non, si tu couches avec une femme, quand tu finis d'avoir des rapports avec elle, tu peux prendre l'autiste, tu es sûr en bas d'elle. C'est pas ça? Là, tu prends, non, tu déposes ça, tu viens ça. Quand tu viens ça, quand on hôtel comme ça, quand on voit le thème, automatiquement, on voit l'âme de la fille. Donc, les esprits viennent prendre ça pour gagner force. Les esprits viennent prendre ça. Donc, au travers de ça, on peut maintenant prendre pour voir l'âme de la personne et toutes ses richesses. Et on touche maintenant. Bon, c'est là va réussir, va voyager. Bon, prenons voyage, prenons ça. Puis on donne ça aux agents du diable. Et tu es étonné, il y a telle personne là-bas, il réussit, tu ne sais même pas. Mais c'est toi, ton péché, c'est celui que tu as commis. Tu as livré ça. On va lire, vous allez voir. Tout ça, c'est écrit. Et le Seigneur qui donne, qui révèle ses mystères, il a révélé ça. Donc, le caractère de l'esprit des eaux. Masturbation. Tu as compris? Masturbation. Elle est prête à tout. Ou il est prêt à tout se masturber. Et moi, j'étais dans ce cas-là. Les caractères de forêt. Il y a aussi l'alcool. Parce que selon la forêt, sur les bois et sur les pierres, il faut verser l'alcool. Alléluia. Il faut verser l'alcool. Donc, tu as constaté que s'il y a l'alcool, il y a la cigarette, c'est l'esprit de forêt qui est là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est comme ça. Prépare Proverbe chapitre 6. C'est comme ça que les parents ont livré notre vie.
Et nous, on ne sait pas que pour ne pas rentrer sous le joug de cette malédiction, nous ne devons pas pécher. D'accord. Écoutez bien. Proverbe 6, verset 1. Proverbe chapitre 6, le verset 1. À partir du verset 1. Mon fils. Si tu as cautionné ton prochain. Écoute bien. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain. Si tu t'es engagé pour autrui. Oui. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Oui. Si tu es pris par les paroles de ta bouche. Oui. Fais donc ceci. Oui. Mon fils. Dégage-toi. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Uh-huh. Va. Va. Prosterne-toi. Prosterne-toi. Et fais des instances auprès de lui. Uh-huh. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Uh-huh. Ni assoupissement à tes paupières. Mm. Dégage-toi. Mm. Comme la gazelle de la main du chasseur. Mm. Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Uh-huh. Va vers la fourmi. Uh-huh. Paresseux. Uh-huh. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand lèveras-tu? Excusez-moi, okay. Autant pour moi. Allons-y, Proverbe chapitre 5. Proverbe 5. Allons-y. Proverbe 5 à partir du verset 1. C'est pas 6, excusez-moi. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 5, uh-huh. à partir du verset 1. Uh-huh. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Écoute très bien. Hein? Prête l'oreille à mon intelligence. Afin que tu conserves la réflexion. Oui. Et que tes lèvres gardent la connaissance. Hein? Car les lèvres de l'étranger distille le miel. Donc l'étranger là, c'est quelqu'un qui parle et puis la langue est doucereuse. Regardez, l'homme il est animé de l'esprit des yeux. Quand il te parle là, il n'y a pas l'homme. Tu as l'impression que c'est Dieu même qui est en train de te parler. Il parle bien. Il a les mots, il place là où il faut. Alléluia. Il te convainc rien que pour avoir une seule chose avec toi. Allons-y, homme de Dieu. Et son palais est plus doux que l'huile. Oui. Mais à la fin, elle est amère. Donc, elle est amère. Hein? Comme l'absinthe. Mm. Aiguë. Mm. Comme une glaive à deux tranchants. Uh-huh. Ses pieds descendent vers la mort. Écoutez bien, l'homme étranger, la femme étrangère. Ses pieds descendent vers la mort. Hein? Ses pas atteignent le séjour des morts. Ses pas atteignent le séjour des morts. Allons-y. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Mm. Elle est errante dans ses voies. Mm. Elle ne sait où elle va. Donc, lui, il est errant dans ses voies. Allons-y. Mm-hmm. Et maintenant, oui. Mes fils. Oui, ma fille. Écoutez-moi. Écoutez bien le roi des rois. Hein? Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ne vous écartez pas des paroles de la Bible. Hein? Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez lui. Chez elle. Oui. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Cette femme qui est animée de l'esprit des eaux. Cet homme qui est animé de l'esprit des eaux. Ne t'approche pas de sa porte. La Bible avait déjà écrit ça. La Bible avait déjà dit ça. Mais tu n'as pas obéi. Tu n'as pas écouté. Allons-y. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Qu'est-ce que c'est que la vigueur? Regardez, quand un homme est zélé, la puissance de Dieu qui découle en lui, c'est sa vigueur. C'est sa puissance. Mais quand il prend sa vigueur et qu'il va avec une soeur qui n'a pas marié, il a livré sa vigueur à d'autres. Mais c'est à qui il a livré ça? Alléluia. Amen. Quand l'esprit des autres est en train de travailler dans ta vie, ils vont t'emmener à avoir des rapports sexuels. Quand tu as des rapports sexuels, tu prends ta semence. Ta semence là, tu as donné ça à d'autres personnes. Quand elle va coucher avec quelqu'un d'autre, lui avec qui elle a couché là, lui il vient de prendre ta semence que tu as laissée en elle. Alléluia. Amen. Moi il vient coucher avec toi, il laisse ma semence en toi.
Quand tu vas coucher avec quelqu'un d'autre, tu prends ma semence, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Donc, ma vigueur, la vie de Dieu qui est en moi, là, tu as donné ça à quelqu'un d'autre. C'est quoi le signe du mariage? Quand vous vous mariez, là, ça reste entre vous. Ça ne sort pas. Vous comprenez maintenant? Maintenant, quand elle est prête, elle vient s'en coucher avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il te pose la question maintenant. Tu as couché avec combien de personnes? Toi, homme, tu as couché avec combien de soeurs? Donc, tu as pris ta puissance. Tu as pris la vigueur. Tu as livré à d'autres personnes. Tu as pris ta vigueur. Tu as livré à d'autres personnes. Maintenant, tu demandes à Dieu, restaure-moi. Livre-moi. Et guéris-moi. Redonne-moi ce que les gens ont pris. Aujourd'hui, il va te redonner. Mais est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas redonner ça encore à quelqu'un? Jamais. Donc si le Seigneur te redonne ta vigueur aujourd'hui, bien-aimé, c'est fini. Le péché sexuel, le péché, c'est fini. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quand tu rentres dans le péché, tout ce que nous sommes en train de parler, le péché sexuel, tu prends la vie de Dieu qui est en toi. Tu donnes ça à la bien-aimée. Elle aussi, elle prend. Elle donne ça aux autres. Maintenant, toi, tu es étonné que toi qui devais être architecte, quand tu devais monter une entreprise, tu vas aussi travailler pour les gens qui se veulent. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui a monté son entreprise, tu es étonné. Mais peut-être lui, il a couché avec Bindou, que toi, tu as couché avec elle. Il a pris ta vigueur, il est parti. C'est ce qu'il dit la Bible. De peur que tu ne livres ta vigueur, toi qui devais être une maman puissante dans les affaires, tu allais coucher avec quelqu'un. Il a pris, lui, il allait coucher avec Adjoa. Il a donné ça à Adjoa. Maintenant, toi, tu vas arracher à droit des magasins. Donc, tu as livré ta vigueur aux autres. Et c'est l'esprit des eaux qui fait ça. Gloire à Jésus. Amen. Tant que l'esprit des eaux est là, c'est lui qui fait ça. Alléluia. Amen. Allons-y. Et tes années à un homme cruel. Écoutez bien. Donc, ça raccourcit les jours de ta vie. Les jours de ta vie. Ça raccourcit les années. Les années que tu vas passer sur la terre, ça les raccourcit. Pas, pas, pas. Et toi, tu dois mourir à 80. Maintenant, 40 ans, tu vois, si tu es malade, tu t'en vas. Donc, si tu dois mourir à 80, ça veut dire à partir de 40 ans, peut-être que tu vas monter ton entreprise. Mais tu as dépassé 40, tu vois, si. Tu as dépassé 30. Peut-être à 30 ans, il y a certaines choses que tu devais avoir, tu ne peux pas avoir. Parce que tu as livré ta vigueur à d'autres. Mais tu ne savais pas que ce péché-là était aussi grand que ça. Il y a des conséquences très graves. Le Seigneur dit quoi? Que l'homme qui quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc, quand on parle d'une seule chair, on parle du même sang. Donc, je couche avec Bintou. À partir d'aujourd'hui, Bintou et moi, on a le même sang. Si dans la lignée de Bintou, il y a eu des sorciers ou des sorcières, ces sorcières se trouvent dans mon sang. C'est pas ça? C'est pas ça? D'accord. Donc, si Bintou, son papa ou celui avec qui elle a couché, il était un alcoolique ou un drogué, j'ai constaté moi aussi dans mon sang, il y a la drogue qui est en train de... Alléluia. Et je suis étonné quand mes enfants sont devenus bizarres. Mais j'ai pris une semence à quelque part et j'ai laissé aussi quelque chose. Quand le diable a pris la vie dans Adam, il a mis la mort. Donc quand le diable prend, il laisse quelque chose. Quand tu vas en rapport avec quelqu'un, tu laisses quelque chose. Alléluia. Donc tu laisses ta grâce, tu laisses ta vie, tu laisses ta puissance, tu laisses ta vigueur. Tu laisses toutes tes bénédictions, tu laisses tes dons et tes talents. Et les diables mettent la mort dans ta vie. Sécheresse, tu as tourné en rond, ça ne passe pas. Tu es étonné, tu allais voir Fétichon, tu allais voir Gounion, ça ne passe pas. Là, mais tu as gravé ton sort. Tu dois revenir à l'éternel comme tu l'as fait aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'attendait aujourd'hui. Afin que tu sois libéré. Alléluia. Amen. Allons-y, homme de Dieu. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Yes. Écoutez bien. Donc, ça veut dire que des étrangers, quand tu vois un rapport sexuel avec une femme et qu'elle prend et couche avec quelqu'un d'autre, des étrangers prennent tes biens. Est-ce que vous avez compris, même? Mm-hmm. Vous avez compris? De peur que des étrangers. De peur que des étrangers. Ne se rassasient de ton bien. Mais normalement, si ce ne sont pas des étrangers, on va dire tes frères. Mais des étrangers sont des personnes qui n'ont pas la semence de Dieu en eux. Mais ils vont voler tes bénédictions, tes biens, tes grâces que l'Éternel t'a réservées là. Regarde, un seul péché sexuel a fait partie de toi.
Et des étrangers ont volé ça. Ils sont allés. Aujourd'hui, ils sont en train de réussir, en train de voler dans les avions là-bas. Et toi, tu es ici, tu marches jusqu'à. Je suis là, mais il y a tout en bas. Tu es attaché, Pagne, ça fait 24 ans maintenant. Pagne est là. Mais notre enfant m'a grandi quand il est en train d'avoir bab. Pagne est là. Allons-y. Et du produit de ton travail. Donc, tout le travail que tu faisais avant, là, tu as livré ça sans le savoir. Le travail que Dieu a été donné là, tu as livré ça sans le savoir. Les grâces que Dieu a été donné, tu as livré ça sans le savoir. À cause d'un seul contact sexuel. Papa, c'est fini. Le diable t'a volé, il est parti. Donc, depuis l'alliance familiale, ils ont programmé pour que tu rentres seulement dans le péché sale en ce moment. Allons-y. Dans la maison d'autrui. Un. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. Écoutez bien. Quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment j'ai haï la parole de Dieu? Comment j'ai haï la correction de Dieu? C'est ce que tu vas te dire à ton cœur. Effectivement, c'est ce que tu t'es dit jusqu'à aujourd'hui. Allons-y. Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Oh, ton cœur a dédaigné la réprimande, c'est-à-dire que tu as refusé qu'on te réprime. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu, non? C'est écrit, non? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit. Les étrangers sont rassasiés de tes biens. Il y a des personnes qui sont des grands hommes d'affaires, des grandes dames, et même elles sentent que d'en réussir. Elles sentent que l'argent, elle ne doit pas la manquer. Mais c'est où? Tu pries, tu dis, je sens que ça va aller. Ça ne va pas. Viens à la source. Répentance, délivrance. Tu vas voir. Les choses vont changer au nom de Jésus. Alléluia. Et certaines personnes, ils ont volé leur santé comme ça. Un seul rapport. On vole ta santé. Parce que la personne qui est venue avec toi, là, tu ne le connais pas. Ça doit être un sataniste. Tu ne sais même pas. Prophète 7. Prophète chapitre 7. Deux chapitres après. On va lire. Écoutez un peu. Proverbe, oui. Chapitre 7, oui. À partir du verset 1. Hein? Mon fils, retiens mes paroles. Retiens les paroles de Dieu. Hein? Et garde avec toi mes préceptes. Garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes. Observe mes préceptes. Et tu vivras. Et tu vivras. Hein? Garde mes enseignements. Pour garder mes enseignements. Comme la prunelle de tes yeux. Comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Lis-les sur tes doigts. C'est ce que Dieu dit de ne pas faire. Tu n'as pas fait. Mais écoute ce que Dieu te dit. Hein? Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Hein? Dis à la sagesse. Dis à la sagesse. Tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. L'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve. Écoutez très bien. Quand de la femme. La parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, tu allais obéir selon la parole de Dieu. La parole de Dieu allait te préserver de quoi? Allons-y, homme de Dieu. Pour qu'elle te préserve. Pour qu'elle te préserve. De la femme étrangère. Tout ce que le Seigneur est en train de faire. Pour t'enseigner là, c'est pour te préserver d'une seule chose. Pour le moment. La femme étrangère, en d'autres termes, l'homme étranger, celui qui n'a pas la semence de Christ. Mais tu ne savais pas ces choses. Il est venu, il t'a blagué. Il a distillé le miel. Il a parlé dans tes oreilles. Belle parole, belle parole, belle parole. Il a pris au travers d'un seul contact sexuel. Paf. Tu ne le connais pas. Même aujourd'hui, tu n'as plus de ses nouvelles. Et si même tu as de ses nouvelles, mais tu vas voir que lui, au moins, il gagne à la manger. Mais toi, c'est difficile. Mais c'est quoi il a pris? Surtout toi, il a pris. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, en d'autres termes de l'homme étranger. Mais on ne nous enseigne pas ça. On ne nous enseigne pas ça, on nous parle. Mais tu vas réussir, tu vas voyager. Mais j'ai commis un péché derrière qui m'empêche de voyager. Qui m'empêche d'avancer. Qui m'empêche de servir Dieu. Je sais Dieu comment. Si je suis lié. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Allons-y. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Donc c'est pareil pour la femme et pour l'homme. De l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Allons-y. Hein? J'étais à la fenêtre de ma maison. Hein? Et je regardais à travers mon treillis. Ça, il y avait un temps où tu avais commencé le péché sexuel. Écoute bien maintenant l'histoire. J'aperçus parmi les stupides. Parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens. Parmi les jeunes filles ou jeunes gens. Un garçon
dépourvu de sens. Une soeur ou un frère dépourvu de sens, hein? Il passait dans la rue. Il passait dans la rue. Près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Mmh. Ou de ces étrangers. Des personnes qui sont beaux, chocos dans le quartier. Et toutes ces personnes qui sont toujours prêtes, qui ont toujours de l'argent, qui sont toujours prêts à dépenser de l'argent. Ces hommes qui sont toujours prêts dans la voiture, qui ont toujours quelque chose à te donner, ou de l'argent, ou te mettre dans un bon local, dans une bonne maison. Ces personnes-là sont des hommes étrangers, sont des femmes étrangères. Allons-y. Hein? Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Oui. C'était au crépuscule. Oui. Pendant la soirée. Au milieu de la nuit. Les personnes que tu as trouvées dans les bars, dans les maquis, dans tous ces coins-là. Vraiment, c'était au milieu de la nuit. Tu as trouvé belle ou tu l'as trouvé beau et tout ça. Hein? Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Oui. Et voici. Il fut abordé par une femme. Oh, il fut abordé par un homme. Et tu as été abordé par un homme. Tu as été abordé par une femme. Hein? Ayant la mise d'une prostituée. Une femme qui était habillée en Jézabel. Tu as couché avec elle. Tu ne connaissais rien. Un homme qui était habillé de façon impudique, de façon voyou, avec des vêtements déchirés. Un homme qui était habillé, mais qui a la peau d'un prostitué. Allons-y. Et la ruse dans le cœur. Un gigolo, manipulateur, il t'a abordé. Allons-y. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Un homme qui ne restait jamais à la maison. Tantôt, il est chez Chajwa. Après, il est chez Bintou. Il est chez Maïmouna. Un homme gigolo, un coureur de jupons. Cet homme-là, il t'a dragué. Ou cette personne, cette fille-là, elle t'a dragué. Tu la voyais. Elle ne reste jamais à la maison. Toujours à côté des coins, des petits restaurants, des maquis. Des coins comme ça, des coins chichi. Tu as couché avec elle. Allons-y. Tantôt dans la rue. Tantôt, il est dans la rue. Tantôt sur les places. Et près de tous les angles. En bordure de la mer. Toujours, il est là. Toujours c'est lui qui est dans le show. C'est lui qui dit non, ce sont les femmes fortes. Non, ce sont les hommes, les grands hommes. Non, cet homme-là, il est choco. Non, cet homme-là, il me plaît bien. Il est tellement calme. Mais en réalité, voilà ce qu'il est. Allons-y. Elles étaient aux aguets. Uh-huh. Elle donc, le saisit et l'embrassa. Donc, ces filles-là étaient aux aguets, elles attendaient. Quand le jeune vient au quartier, on dit ah, le jeune vient d'arriver au quartier, il est choco. Le jeune vient d'arriver au quartier, il est frère. Toi, tu ne connais pas femme. Elle, papa, t'es parti faire, c'est fini. Elle va ta semence. Tu ne sais même pas qui elle est. Démon en chair. Tu ne sais même pas qui il est. Démon en chair. Papa, relation sexuelle, point, s'en va. C'est fini. Tu ne sais même pas. Dans les quartiers là, il a couché les 5 filles comme ça. Tu ne sais même pas. Tu t'es livré. Allons-y. Elle le saisit. Oh. Et l'embrassa. Merci. Et d'un air effronté lui dit. Je devais un sacrifice. Écoutez bien. Cette sorcière, ce sorcier là. Il dit. Je devais un sacrifice en d'autres termes à son Dieu. Toi, tu ne sais même pas avec qui tu as couché. Tu pensais que la personne était un chrétien. Mais en réalité, ce n'est pas un chrétien. C'est un vrai sorcier. Dans le monde des esprits, il devait coucher avec toi. C'était sa mission. Dans le monde des esprits, c'était sa mission. Elle devait coucher avec toi. Parce que l'esprit des eaux, là, a tenté de crier là-bas. Lui, il va réussir dans 5 ans. Dans 5 ans, d'ici 5 ans, empêchez-le. Coucher avec lui. Puis on envoie la bien-aimée. On dit la fille vient d'arriver au quartier. Tu dis, oh, la fille vient d'arriver au quartier, hein? Hein? D'accord, moi je suis le plus choco du quartier, tu sors. Moi ça te met frère. Tu couches avec elle. Tu ne sais même pas qui elle est. Elle est venue spécialement pour toi. Ciblée sur toi. Tu la donnes, elle ne refuse pas. Le gars même, tu l'as été étonné qu'elle te donne 100 000, 50 000, 150 000, 500 000, 1 million. Tu ne sais pas. Tes bénédictions. Il a commencé à voler ça. Alléluia. Amen. Et toi, tu ne savais pas, tu couchais avec lui. Mais lui, il devait un sacrifice d'action de grâce à son Dieu. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. J'ai accompli mes vœux. Le démon en chair m'a dit, aujourd'hui, j'ai accompli mon vœu. Hey! Ah bon? Donc, il faut que tu touches un mot pour accomplir ton vœu. Sorcière. Et ces personnes-là ont volé vos grâces. Jusqu'aujourd'hui, le problème que tu tournes là, voilà où c'est sorti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, là, tu vas récupérer tous tes biens au nom de Jésus. Amen. Tu vas récupérer tes dons et tes talents au nom de Jésus. Tu vas récupérer ton ministère au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même personne. Allons-y. C'est pourquoi. Oui. Je suis sorti au devant de toi. Donc, je suis venu accomplir la mission. Allons-y. Pour te chercher. Je suis venu te chercher. Et je t'ai trouvé. Hey, je t'ai trouvé. Donc, ma soeur, le démon qui a été mandaté depuis le monde des eaux, là, qui a pris la forme humaine, comme Dieu a pris la forme humaine, il est venu sur la terre pour te chercher. Et il t'a trouvé. Et voici, c'était une fille facile. L'homme étranger peut être la deuxième personne. Il peut être la cinquième personne.
personne que tu as connue. Mais c'est lui qui a volé tes grâces. Rappelle-toi, qui a été doux avec toi? Qui te donnait l'argent? Qui s'occupait de toi? À un niveau, mais quand tu réalises son caractère, tu sens que lui là, il n'est pas sérieux. Mais il ne voulait que toi. Il dit non, toi, tu es une femme de chance. Tu es une femme de grâce. Et quand il couche avec toi, il dit non, que mes affaires prospèrent. Il a volé, c'est un sorcier. C'est une sorcière. Elle a volé tes bénédictions. Il a volé tes grâces. Il a volé ton étoile. Il a volé ta vie. Alléluia. Allons-y. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. Regardez comment l'implicité est en train d'être décrite. Allons-y. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamone. Viens. Viens. Enivrons-nous d'amour. Viens, on commette l'implicité. Jusqu'au matin. Ah, mais arrête-toi là. Viens, on va pêcher jusqu'au matin. Et tu as fait. Tiens, viens. Maman, on dit là, il n'y a pas dormi à la maison. Hein. Ma fille, tu vas où? Hé, c'est vrai, ma copine, menteuse. Ça allait dormir à lui. Il ne sait même pas qui il est. Il paye champagne. Il paye un pierre-lan. Il paye un truc. Comment on appelle même? Les boissons, fais mousser. Il paye champagne. Il paye seulement les champagnes. Tu ne sais même pas qui il est. Il est quitté en Europe. Effectivement, il est quitté dans le monde à Saint-Où. Il est quitté où? Tout l'argent, il est là où? Il est quitté où? L'argent, il est là où? Il est quitté où? Tu ne connais même pas son père. Tu ne connais même pas sa mère. Tu ne connais personne de lui. Et puis il vient et te dit non, voilà ma tante qui est là. La vieille du quartier, son mère l'a pris comme sa tante. Voilà, non, non, un gars choco, un gars. Et tu t'es livré. Et c'est pareil pour la soeur. On dit, elle vient d'arriver, mais elle est quittée où? Dans l'eau. Alléluia. Il y a eu cette grâce de révélation grâce au Saint-Esprit. Grâce, comment ça s'est passé? Le Seigneur lui-même, moi-même, j'étais dans cette situation. Quand je servais Dieu avant, je ne pouvais pas avancer. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je cherchais, mais je ne trouvais pas. Et quand le Seigneur m'a dit, rentre en Côte d'Ivoire, j'ai dit, ok, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, cherche une église, tu vas prier. Pendant que j'étais encore là-bas, j'étais en train de prier. Je me suis tombé sur une église baptiste. Et là-bas, le Seigneur avait voulu que je reste là-bas pour un temps. J'ai commencé à servir le Seigneur. Et maintenant, je devais rentrer. Ils m'ont fait une lettre que je devais donner à Dion Robert, où j'allais servir à l'église baptiste. Mais je dis non. Comme j'ai des parents à Bobo ici, et puis j'ai des parents à la Riviera, bon, des connaissances à la Riviera, je ne sais pas où je vais rester parce qu'ils sont un peu partout. Donc je vais prier le Seigneur, et puis le Seigneur lui maintenant va me montrer comment je vais faire, où je vais prier. Et quand je priais, c'est là que j'ai vu le réveil international, Jésus revient. Maintenant, comment ça s'est passé? Auparavant, quand je servais Dieu, je sentais en moi l'envie d'aller avec les femmes. Je sais Dieu, mais la chose, elle me plaît. Quel est le problème? Je sais Dieu. Mais j'ai envie de coucher avec les filles que je vois. Donc quand j'essaie avec eux, un peu, auprès des prophétesses là, paf, après là, tu vois que la sienne là-haut, il met un pied dessus. En nous, allez, c'est parti. Je ne comprenais pas ce qui ne valait pas. Mais je portais chaîne. Je portais montre. Même je mettais boucle d'oreille, mais je n'ai pas percé l'oreille. Je mettais en aimant. Alléluia. Et je portais ça pour moi, je faisais le joli garçon parce que Dieu dit, il faut être bling. Mais je ne savais pas que c'était lié à l'esprit des eaux et c'était dans le but de me conduire dans le péché sexuel pour que moi je ne rentre pas dans ma destinée. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça, j'étais dedans. Mais quand j'ai connu le réveil par la grâce de Dieu, j'ai passé au moins 4 mois en train de me dépouiller. Pendant les 4 mois, parfum, je mets à côté. Bijoux, je mets à côté. Mais j'avais compris avec les enseignements des hommes de Dieu, par la grâce de Dieu, que Dieu a mandaté pour nous enseigner. Ils m'ont fait comprendre qu'au travers des bijoux et de tout ce qu'on portait, l'esprit des eaux a la force sur nous. C'est pourquoi tu veux faire des choses, tu ne veux pas. Parce qu'il y a des choses qui appartiennent au diable. Au travers de ça, on peut te maintenir. Et le Seigneur me faisait comprendre maintenant, pendant moi-même, quand je suis venu ici, pendant les moments de ma délivrance, pendant les retraites spirituelles, c'est là que le Seigneur m'enseigne, me dit, retourne à ton passé. Au travers de ce que tu as fait, tu as livré tes grâces. Qui va récupérer? Moi, j'ai déjà fait toi la croix. Hein. C'est toi maintenant qui récupères. J'ai une prière, délivrance. Alléluia. Et c'est comme ça que moi, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de Jésus. Et ça fait 1 heure de temps, peut-être 2 heures de temps, je suis en train de parler. Ou 3 heures de temps, je suis en train de parler. C'est la grâce de Dieu. Sinon, moi-même, je ne pouvais pas ça avant. M'arrêter de parler pendant 1 heure. Je ne comprenais pas ça. Quand je commence un peu, je vais mourir. Alléluia.
Mais don était parti. Je ne peux pas prier pour quelqu'un. Vous voyez, c'est que si j'ai fini de prier pour lui là. Il a dit, hé, le sort là même là. Qui allait, voilà, voilà, ça va encore. Hé, ça va. On doit jeter tous les savons dans la maison. Parce que c'est que le sort, il me masturbait. Effectivement, il était chrétien, mais il me masturbait. Il me masturbait. Un grand masturbateur. Même à l'extérieur du pays, c'est ce que je faisais. Juste que je suis venu, c'est ce que je faisais. Mais c'est quand j'ai compris, avec le réveil, et avant de venir, j'ai commencé à laisser. Et le Seigneur a commencé à faire la guérison. Quand je suis venu, je suis venu comme ça, mais je dis moi aussi, je parle. Donc si moi j'étais libéré, et dans les songes je vois une femme, écoutez bien, dans les songes je vois toujours une femme, depuis ici je vois toujours une femme qui me menaçait, toi tu vas servir Dieu. Elle dit oui, elle servit Dieu. Elle dit tu vas jamais servir Dieu. Ah! Elles étaient deux. Il y a une qui est à côté, mais celle qui est à côté. Mais la personne qui est là, là, c'est elle-même. Ouais. C'est après, j'appelle mon oncle, je rentre en contact, je demande. Il me dit, hey, mon fils, viens t'asseoir. Il m'a m'asseoir. Parce que c'est un jour, le temps d'être prêt, le Seigneur me dit, va voir ton nom. Je ne sais pas qu'il m'a fait, il ne me parle pas, il est mort. Le Seigneur dit, il faut me parler. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alliance familiale, qu'est-ce qu'il m'a fait comme adoration? Il me casse les papos maintenant. Il dit, côté maman, voilà, adoration royale. Il y avait roi, côté papa, côté maman. Roi. Et tous ont adoré, lolo. Juste là chez nous, il y a un sirène qui sortait, qui couchait avec ton grand. Il dit, hein? Bon, mais c'est bien. Il dit, je suis mort. Ben, j'aime ça, là, c'est pas petit. Alléluia. Jusqu'à notre grand-père attrapé un revenant. Un peu comme on voit dans le film Ibo, là. Imagine cette personne, il était comment? Mais une personne comme ça, tu sors de lui. Et quand elle a fini de me parler, j'ai béni le Seigneur parce que moi, je connais la suite. J'ai commencé à prier. Et arrivé un moment, je me voyais maintenant au milieu de certaines filles. Le Seigneur me confirmait. Et voilà. Et des filles qui étaient là, beaucoup comme ça, nombreuses. Et dans le quartier, elles me voient. Elles veulent s'approcher, mais elles ne peuvent pas. Et j'ai passé au milieu. J'ai fait une autre soirée où je trouve une vieille femme qui dit, tu as couché avec moi. Hein? Je vais voir mon homme me dit, la femme que tu vois dans les songes là, elle s'appelle Ndabla. Il dit Ndabla comment? Il dit, elle est au village au Ghana là-bas. Parce que moi, il vient de la lignée de Ghana. Un petit Akoum depuis Ghana. Donc, elle est gardienne d'hôtel. Dans l'esprit des autres, tout ça, là, c'est elle qui gère. Moi, c'est elle qui m'a menacé dans le sort. Parce que l'esprit qui l'anime, là, c'est l'esprit des autres, là, qui moi me fatigue, là. Donc, tous ceux qui sont sortis de la lignée, côté maternel, eux tous automatiquement sont sous l'emprise de l'esprit des autres. Donc, mon oncle, on dit, il est femme. Voilà, il fait un femme. Il met à côté. Voilà, il y a de lui, il y a cartouche qu'un petit, pas. Bah, il dit, lui c'est un fusil avec cartouche. Bah, il met à côté. Lui-même il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Moi-même, il n'y a rien pour faire. Il dit, mais lui, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, hé mon fils. Moi-même, il ne sait pas. Alors que Dieu l'appelait aussi, l'appel de Dieu sur lui. Mais si Dieu ne nous appelle pas, nous on meurt, on va en enfer. Et c'est pourquoi Dieu t'a appelé. C'est dans ça que le Seigneur a commencé à m'enseigner au travers des passages bibliques. Et puis il a commencé à faire sortir ça. Fais sortir. Et j'ai commencé à relâcher. J'ai commencé à couler les morceaux. Et j'ai compris ça, ce mystère. Aujourd'hui, je t'explique par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais quand j'ai commencé à expliquer, toi-même, tu as vu. Et tu t'es vu à l'intérieur. Tu t'es dit que ce n'est pas inventé. C'est la parole de Dieu qui est là. Et si tu n'as pas vécu par expérience, tu ne peux pas enseigner les autres. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi celui qui n'a pas vécu par expérience ne peut pas s'arrêter là. Et parler. Et c'est comme ça que les esprits travaillent dans ta vie. Il y a un hôtel qui est là-bas et qui crie toujours. Esther ne doit pas réussir. Et sur l'hôtel, il y a un fétiche qui est là qu'on appelle le pied sacré. Juste chapitre 6 nous parle de ça. Gédéon qui a renversé l'hôtel de Baal. Le pied sacré qui a battu le pied sacré. Pourquoi? Parce que le pied sacré crie. Elle ne doit pas avancer. Quand tu avances un peu, tu gagnes l'argent. Ouh, elle a eu l'argent. Envoie quelqu'un, envoie un problème. Puis paf, maladie, quoi. Et puis paf, ça sort dans ta main. Ça s'en va. Mais ça se passe depuis là-bas. Donc en réalité, quand tu commets le péché sexuel, tu as donné l'occasion à l'alliance familiale
de te mettre un filet sur toi et de te ramener maintenant dans l'hôtel. Donc toi, tu es ici, mais ton âme est là-bas. C'est pourquoi tu constates que tu te vois dans l'eau parfois, ou tu vois de l'eau parfois. Ou parfois tu te vois au village, toujours au village. Ah, toi tu es ici, tu te vois toujours au village. Jamais toi tu te vois au ciel, jamais, jamais, jamais. Le jour où tu te vois au ciel, c'est que le jour de la terre, il est à tuer deux poulets. Toujours tu es en forêt. Toujours c'est toi, tu es en train de courir sur moi. Il est fou, il a couru jusqu'à ici, fatigué. On te poursuit seulement. Ça veut dire que tu dois faire une délivrance profonde. Alléluia. Et quand ton âme est là-bas, puisque toi tu ne sais pas qu'au travers d'une relation sexuelle, on peut ramener ton âme à l'hôtel. Donc quand on ramène ton âme à l'hôtel, c'est la gardienne de l'hôtel qui vient, qui regarde. Diallo, il est là, non? Bidou, il est là, non? Elle est là, non? Maïmouna. Bon, assez tout. Bon, les noms du là, c'est que j'ai tout ça, c'est non. Alléluia. Donc, il regarde. Voilà. Fais des incantations. Hey, génie, hey, toi, faut toujours les protéger. Faut toujours les garder pour eux, pour lui. Ce qu'il fait, c'est normal. Donc là, après, il vient voir. Hé, hey! Kofi est parti. Il en est où? Alléluia. Et le démon de famille vient puis dit, ah ben, Kofi a fui. L'homme en blanc est venu chercher Kofi. Hein? Et lui, maintenant, les jours qui suivent, maintenant, t'attends maintenant. Elle aussi a fait des incantations. Tu vois maintenant combat maintenant. Et même les démons, pour qu'eux puissent te prendre, ils ont besoin d'un homme qui a travaillé sur le terrain. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi dans chaque famille, il y a toujours une sorcière qui est assise. C'est elle qui gère. Ou il y a un sorcier qui est assise, c'est lui qui gère. Il faut que les démons, eux, veulent passer toujours par un homme qui a fait les rituels. Qui va tuer un mouton pour verser? C'est pas un démon qui arrive par un mouton pour verser que l'hôtel soit fort. Il faut qu'il y ait une personne. Là, il y a toujours une sorcière, un sorcier qui est chargé de maintenir l'hôtel. Afin que l'hôtel puisse parler fort et que vous ne soyez pas délivrés. Il y a quelqu'un qui se bat là-bas. Maintenant, toi, tu ronfles, tu es venu à Jésus, tu dis une personne est en crise, elle est une nouvelle créature, tu ronfles. Et puis tu dis Dieu, ça fait un an ici, chrétien, il ne voit rien. C'est ce qui fait que tu recules. Beaucoup de personnes là, quand ils viennent à Jésus, ils retournent. Parce que pour eux, ils ne voient rien. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce mystère de la délivrance. Si vous avez compris, vous allez te battre concernant ça. Parce que même ton mariage, ton voyage, tes dons spirituels, le parler en langue, le don prophétique, et même la vie de Dieu, que tu dois avoir pour servir Dieu, se trouve dans l'hôtel. Si l'hôtel n'est pas cassé, ton âme n'est pas sortie de l'hôtel, tes biens aussi restent là-bas. Ton âme doit sortir, en récupérer tes biens, pas et pose ça sur toi. C'est alors que tu vas commencer maintenant à rentrer dans tes grâces. Parce que ton âme est sortie de l'hôtel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, prospère comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme ne prospère pas. Ton âme enchaîné. Il est dans Canaries là-bas. Tu ne prospères pas. Chaque jour, c'est toi qui es frustré. Chaque jour, c'est toi qui es frustré. C'est là, ton âme est comme ça. L'hôtel là-bas, quand il verse un peu de piment, tu tousses. Ici, tu es malade. Fatigué un peu ton âme. En fait, c'est un peu de piment, tu tousses jusqu'à. Donc tu dois sortir de l'hôtel. Mais ça commence par la repentance. Donc ça veut dire que les démons là, non seulement ton père et ta mère ont péché, mais eux ils veulent que toi tu commettes ce péché là. Là ils vont te saisir. Mais tu as fait ce péché. Donc c'est pourquoi tu dois te repentir. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, ils vont empêcher que toi tu pries. Ils vont empêcher que toi tu jeûnes. Ils vont empêcher que toi tu viennes à Jésus. C'est là maintenant, ils vont te dire utilise ça, utilise ça, utilise ça, utilise ça, utilise ça. Quand tu mets les produits cosmétiques, c'est un péché. De noir tu passes à clair. Est-ce que clair, bon, de noir tu passes à cacao. On dit coco butter. Donc ça veut dire que si tu dis coco butter, tu vas devenir cacao. Maintenant toi tu es noir, tu prends coco butter. Ça va devenir quoi? Cacao non? Maintenant, couleur cacao et puis couleur noire, est-ce que c'est la même couleur? C'est pas la même couleur, non? Tu as péché. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Tu as péché. Donc, quand tu utilises ça, automatiquement, tu as changé la couleur de ta peau.
Mais Jérémie 13, verset 23 nous parle de quoi? Après, tu prépares Matthieu 5, verset 36. Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Dans un Éthiopien, là, nous savons que l'Éthiopie est en Afrique. Donc on considère que l'Éthiopien, tu peux changer par la couleur de peau. Un Éthiopien? Non, change un Éthiopien par un noir. Un noir peut-il changer sa peau? Un noir peut-il changer sa peau? C'est la question que Dieu te demande. Ou un léopard peut-il changer ses taches? Ou un léopard ses taches? Donc Dieu te demande, est-ce qu'un léopard lui-même va dans le salon de coiffure pour dire je change la couleur de ma peau? Maintenant, toi, tu as changé la couleur de ta peau. Et c'est l'esprit de toi qui t'a emmené à faire ça. Afin que tu penses que tu te rends belle ou tu te rends ceci, mais en réalité, ça peut te détruire. Je ne vais pas te donner la force de prier. Je ne vais pas te donner la force que le Saint-Esprit. Je ne veux pas que le Saint-Esprit descende en toi. Parce que le Saint-Esprit ne descend pas dans un corps qui est souillé. Donc elle va commencer à souiller ton corps au travers de toi-même tes actions. Afin que le péché tombe sur ta tête et non sur eux. Donc il t'amène à changer la couleur de ta peau. C'est un péché. Matthieu 5, verset 36. Et Matthieu 10, verset 30. Matthieu chapitre 5. Le verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête. Ne jure pas non plus par ta tête. Hein? Car tu ne peux rendre blanc ou noir donc, un seul cheveu. Toutefois, tu as changé la couleur de tes cheveux. Repentance. Tu as péché. À cause de ce péché, automatiquement, le diable t'a maintenu captif. Donc, toutes ces chaînes-là doivent être brisées aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, tu as changé la couleur de ta peau de ton péché. Couler les cheveux, changer, pécher. Matthieu 10, verset 30. Allons-y. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les cheveux de ta tête sont tous comptés. Mais regarde ce qui se passe. Quand le diable a créé les mèches, c'est pourquoi? En réalité, c'est pour retirer la chevelure. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13. Regardez, c'est pour retirer la chevelure. 1 Corinthiens 11. 11. À partir du verset 13. À partir du verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Donc vous voyez un peu, le diable a créé parce que selon la volonté de Dieu, c'est que ta chevelure, là, tous tes cheveux sont comptés. Maintenant, maman là, avant là, ils avaient beaucoup de cheveux. Regardez ce qui s'est passé. Le diable a envoyé une mèche. Toujours elle tisse, mèche, sinon elle s'est caoutchouc. Elle tisse sa tête. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais quand même, elle laisse pas. Quand elle finit, elle fait comme ça. Elle tisse son cou. On est tortue. Il y a mal, oh, il y a mal, il y a mal. Mais qui t'a envoyé? Est-ce que c'est pour te faire souffrir que l'Éternel t'a envoyé sur la terre? C'est toi-même qui te fais souffrir. Elle dit, je suis belle, je suis belle. Tu n'es pas belle. En réalité, tu es moche aux yeux de Dieu. Parce que tu refuses ce que tu as créé naturel et tu changes ce qui est naturel en contre-nature. C'est ce qu'il dit la Bible. Donc c'est un péché. Maintenant, quand tu mets les mèches, ça retire les cheveux. Et puis maintenant, te voici maintenant. Devant là, c'est pourquoi tu as contre moi ici. Tout cheveux est parti. Tout cheveux est parti. Mais le diable, c'était sa volonté. Est-ce que tes cheveux, ils sont en bas là, tes cheveux disparaissent. Et que ça te condamne et que tu meurs, tu partes en enfer. Mais le Seigneur a permis que cela n'arrive pas. Il a empêché cela. C'est une grâce. Il a permis que la mort ne t'atteigne pas. Jusqu'à ce que tu te repentes. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est le but. Allons-y. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. À partir du verset 13. Jugez en vous-même. Oui. Dieu dit faut juger toi-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu? Oui. Sans être voilée? Donc est-ce que la femme a le droit de prier Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais c'est toi-même qui mets mèche. Tu n'auras jamais l'envie de te voiler parce que mèche est jolie. Comment t'as dévoilé? Tu veux que tout le monde voie que mèche que t'as porté là, c'est joli. En d'autres termes, pour t'empêcher encore un de te voiler, deux de retirer la queue chevelue. Donc quand tu mets mèche, quand tu finis la carrière de mèche là, la queue de tes cheveux sont là. Alléluia! C'est vrai non? Les femmes peuvent confirmer. Tu as retiré mèche là, il y a toujours tes cheveux qui restent dedans. Péché, le diable t'a condamné avec ça. Allons-y. La nature elle-même ne vous enseigne. La nature elle-même t'enseigne pour te dire quoi? Ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc, l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux, c'est une honte. Qu'est-ce
que Jésus a long cheveux. Vous avez vu ça où? Lui-même, il a écrit la parole pour dire qu'on n'a pas vraiment de long cheveux. Jésus a un long cheveux, ça met dans son dos. Fais sur toi. Hein? Allons-y. Mais c'est une gloire. Oui. Pour la femme d'emporter. Donc, c'est une gloire pour la femme. Ces cheveux-là, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, toi, tu prends, tu mets des frisons. 1, 2, 3. IBA. Tu mets quoi? Et c'est même pas beaucoup de noms comme ça. Tu défrises au haut, tu défrises. ABC. Tu défrises au haut, tu défrises. Tu défrises au haut, tu cherches quoi même dans ta tête là? Parfois c'est léger. Tu sens que tes cheveux vont quitter aujourd'hui. Tu veux les laisser jusqu'à ça repousser encore. Pourquoi tu laisses? Pourquoi défriser encore? Quand ça a bien brûlé en bas là. Oh, cheveux là, yeah! Défriser est fort. Oh. Ça là c'est léger. Ça là c'est fort. C'est souffrance. Tu peux attraper ton cœur. Tu peux attraper que. Encore, il y a une grosse soeur qui est là comme ça. La femme elle prend peinture la main quoi. Attrape ton cœur, attrape ton cœur. Là, tu vas attraper ton cœur. Ton cœur à l'intérieur, tu vas attraper. Faut t'amuser, tu vas mourir. Pas faire encore. Allons-y. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure lui a. On pose la question, point d'interrogation là. Est-ce que la chevelure t'a été donnée comme voile? Tu mets mèche là, est-ce que ça veut dire que tu es voilé? Point d'interrogation. Est-ce que la chevelure t'a été donnée comme voile? Point d'interrogation. Allons-y, on va verser suivant. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Non plus les églises de Dieu. Donc on ne conteste, nous, on n'a pas à contester. Si quelqu'un veut contester, qui conteste? C'est son affaire. Allons-y. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez. Non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissiez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Amen. Arrête là. Amen. Alléluia. Donc, dans les églises qui sont assemblées, ce n'est pas pour devenir saint. Non. Au contraire, de gloire en gloire. La femme a fait mèche ici. On dit gloire en gloire. Alors qu'elle a son teaser. Bon, ben, ce n'est pas elle qui a son teaser. Ou bien c'est elle qui a son teaser. Bon, d'accord. Elle-même, elle est teaser. Alléluia. Elle-même, elle est teaser. Elle est jalouse de busy. Elle a son petit copain qui est à côté. Tu vois les jeunes qui viennent toujours le sac là. Tu penses que c'est son petit frère ou bien c'est son frère du quartier. Non, hein. Elle couche avec lui. Lui, là, lui, il est le gigolo. Parce que lui, c'est la vieille mère. Alléluia. Et ça, voilà, c'est péché. Dans l'église de Dieu, il s'assemble. C'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir impie. De saleté en saleté, d'impureté en impureté. Et ces mèches et toutes ces choses-là te conduisent en enfer. Tu mets dans ça, tu vas en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et quand on parle des bijoux, vous savez déjà, selon Exode 21, qui parle des boucles d'oreilles, c'était pour les esclaves. On ne portait pas ça, c'était pour les esclaves. Et ça a été enseigné. Le Seigneur ne voulait pas ça sur nous. Et quand il descendait, il dit si il descend un seul instant, je te brûle. Exode 33, il a parlé de ça. Ésaïe 3, verset 16, il parle de ça. Il dit le jour. Allons-y, Ésaïe 3, verset 16. On va lire ce passage ici, c'est très important. Le jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer? Et puis des personnes qui portent des vêtements étrangers. Quand tu portes des vêtements étrangers, quelle est la malédiction qui descend sur toi? Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Si je pose la question à quelqu'un d'entre vous, toi tu peux porter un billet féticheur. Qui va dire oui? Qui va dire oui? Ah, tu vois, mais tu fuis, non? Il y a miroir, 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 cori. Tu dis, yeah, je vais jamais porter ça. Comment tu as peur? Mais en réalité, tu portais habit de féticheur. Allons-y. Ésaïe 3, verset 16. Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16. Oui. L'Éternel dit. L'Éternel dit, écoutez bien. Parce que les filles de Sion. Oh, les filles de Sion. Sont orgueilleuses. Elles sont orgueilleuses. Et qu'elles marchent le cou tendu. Elles marchent le cou tendu. Et les regards effrontés. Les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Parce qu'elles vont à petits pas. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Hein? Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. Le Seigneur n'a pas dit c'est la tête des hommes. Hein? Les hommes même là, eux là, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu es comme moi? Il n'y a pas de problème. Au Mali, bien lisse, il n'y a pas de problème. Mais il dit, le Seigneur rendra chauve. Il va rendre quoi? Chauve. On n'a pas parlé des hommes. Hein? L'homme qui est chauve là, c'est bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais femme qui est chauve, dangereux. Ça c'est danger. C'est dangereux. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est elle-même qui a envoyé ça. Donc
Allons-y. Le Seigneur rendra chauve. Rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Le sommet, et la tête là, sera bien chaud. L'Éternel découvrira leur nudité. Il va découvrir leur nudité. Comme les hommes se prostituent avec les pommades, les produits cosmétiques, les mèches et toutes ces choses-là. En ce jour, oui. Le Seigneur ôtera les boucles qui servent. Le Seigneur va enlever les boucles qui servent de... d'ornement. Regardez. À leurs pieds. Ornement. À leurs pieds, à leurs mains. Tous ces bijoux-là. Le Seigneur va enlever ça le jour du jugement. Tu vas comprendre. Allons-y. Si c'est bon, pourquoi le Seigneur va laisser? Et les filets. Les filets. Et les croissants. Et les croissants. Les pendants d'oreilles. Oh, pendants d'oreilles. Oreilles, voilà ça. Tu as mis oreilles, oreilles suspendues. Boucles d'oreilles est suspendues comme ça. Les pendus, voilà. Boucles d'oreilles. Amen. Le Seigneur, le jour du jugement. Voilà ce qu'il va faire. Il va te rendre chauve à cause de ça. Allons-y. Les bracelets. Bracelets, écoutez bien. Dieu dit, ne passe pas ça sur toi. Tu vois le bracelet. Tu dis non, c'est nous, on a dit. C'est la Bible qui dit. Allons-y. Et les voiles. Les voiles. Quand on dit voile, c'est pas voile que tu as sur ta tête là. Les postures d'avant, là, elles mettaient un voile pour cacher les visages. C'est pourquoi Tamar a couché avec sa belle-sœur, sa belle-mère. Alléluia. Parce que quand elle met le voile, tu vois que ça va sortir. C'est quand il a su arriver dans la chambre, elle lui. Parce que dans la Bible, selon Deutéronome 22, 22, 23, il doit avoir aucun prostitué, ni aucune prostituée en Israël. Maintenant, les prostituées, là, se cachent, elles mettent voile. Gloire à Jésus. Amen. Allons-y. Les diadèmes. Les diadèmes. Hein? Les chaînettes de pieds. Oh, et tu portes les chaînes aux pieds. Elles disent non, que Dieu c'est le cœur. Vous pourrez pouvoir. Allons-y. Et les ceintures. Les ceintures, là, c'est pas les ceintures que nous voyons. Regardez un peu un exemple. La ceinture que moi j'ai portée. Ça, c'est une ceinture sainte. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes, elles ont porté des ceintures têtes de mort. Ou ils portent des ceintures têtes de mort. Bon, toi, tu portes ceinture têtes de mort, tu vas aller où? C'est là aussi, mais tiens. L'esprit de mort va t'habiter. Les ceintures qu'on appelle les ceintures de Mac, Gucci, Versace, Gabbana, Dolce Gabbana, Nike, Adidas, Umbro, Reebok, Louis Vuitton, merci, Fine et toutes ces choses-là. C'est là l'enfer. Voilà, ce sont les ceintures de Mac. Allons-y. Les boîtes de senteurs. Les boîtes de senteurs, ce qu'on appelle les parfums. Dieu ne veut pas ça sur toi. Dieu ne veut pas les parfums. Les parfums étaient pour les cadavres. Jean chapitre 12 nous parle de ça. Exode chapitre 30, verset 34 à 38 nous parle de ça. C'est des morts qui mettaient les parfums. Et en Israël, on n'enterre pas les hommes sous la terre. On fait des grottes. Et quand quelqu'un meurt, ça sort, ça vient à la vie. Donc il faut utiliser les parfums pour mettre sur le corps. C'est pourquoi Jésus, lui-même, le troisième jour, Marie et Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, sont allés le troisième jour pour l'engommer, mettre des trucs, des crèmes sur lui et mettre du parfum sur lui. Là, s'il meurt, des années à venir, ses os seront là encore, ses os pour aller mettre dans le tissu de son père. Alléluia. Maintenant, Marie, dans Jean chapitre 12, elle avait déjà prédit cela. Sans savoir que Jésus allait être ressuscité, elle a versé le parfum sur. Il y avait un qui a dit Judas. Il a dit, mais pourquoi elle a versé le parfum? On pourrait prendre ça et puis vendre, gagner de l'argent, donner ça aux pauvres. Jésus lui dit, arrête-moi tes conneries là. On sait que toi, tu allais vendre ça. Et tu es un voleur. Alléluia. Et maintenant, Jésus lui dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Qui veut dire enterrement. Mais nous savons que Jésus va rester dans le tombeau. Ou bien, donc c'était comme ça, c'était un principe. Donc quand quelqu'un sent le parfum, il dit, ouh, attention, lui là, c'est signe que c'est pas un revenant qui est là. C'est sûr que lui, c'est un revenant. Non, personne ne mettait le parfum sur lui. Les parfums étaient vendus, mais on ne mettait pas ça sur soi. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Allons-y. Et les amulettes. Les bagues. Bagues. Quand tu vas chez Fetusha, il porte bagues. Marabout, il porte bagues. Maintenant, toi aussi, tu portes bagues. Tu dis, j'ai porté alliance de mariage. Écoutez là. Il y avait oignon. Il y avait piment. Maman, ça là, c'est combien? Laisse mes yeux. T'as piqué mes yeux. Ça là, c'est combien? C'est dans mes yeux. Tu vois, tu là, pour demander. Tout ça pour montrer que tu es marié. Voilà. Bagues de mariage. Oh non, ça c'est l'alliance. Non. C'est où Adam a porté l'alliance pour avoir elle? Gloire à Jésus. Amen. L'alliance est spirituelle. Le mariage est spirituel. Les gens voient ça physiquement. Le mariage est spirituel. Une bague est une bague. Parce que la bague, c'est un bijou. Dieu dit, il ne veut pas. Les esprits viennent. Pour pouvoir toucher la vie de quelqu'un, tu peux mettre une bague sur moi. Tu l'as eu. Il y a des personnes, leur âme est dans la bague.
Tous les affaires qu'il fait, c'est ici. Le jour là-bas, tu sors de là, tout ce qu'il a fait tombe. Vous savez que son âme est dedans. Ses biens sont dans la bague. Pourquoi ça arrive dans la bague? Pourquoi les caramels qu'on ne porte jamais, il ne peut jamais laisser ses doigts comme ça? Et puis il a toujours bague. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec les esprits. Les esprits aiment les bijoux, ils aiment le métal, ils aiment s'asseoir dessus. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, des zones où on creuse de l'or, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Pourquoi? Parce que quand il meurt, le sang verse. L'or doit sortir. Ça, c'est l'or, ça là. Ou quelqu'un est mort. Toi, tu peins, tu mets ça sur toi. Tu dis non, je suis belle, je suis beau. Mais le sang de la personne qui crie là, ça crie sur toi. Dans la cause de toi, on tue toujours des personnes. Tu participes au maître des personnes. Jésus m'a prié. À la mort, au dernier jugement, quand tu seras devant le trône de l'éternel, tu te dis voilà, c'est pas écrit. Tu vois pas? 1 Timothée 2, verset 9, t'as dit quoi? Genèse 35, t'as dit quoi? Exode 33, t'as dit quoi? Esaïe 3, verset 16, t'as dit quoi? Concernant les bijoux, toutes ces choses, tu continues à venir. 1 Pierre chapitre 3, verset 3, t'as dit quoi? Tout ça, on va commencer à te citer la parole de Dieu. T'as dit, yeah, Seigneur, il ne savait pas. J'ai lutté moi-même parce que je pensais que tu allais me pardonner. Feu sur toi. Allez en enfer. Alléluia. Dieu aura pitié de moi. Mais Dieu n'aura pitié de ceux qui sont en enfer actuellement. C'est pas ça? Il les aime, non? Mais ils sont en enfer, non? Non, c'est toi que tu l'aimes. Tu m'as selon sa parole. Si tu m'as pas selon la parole, c'est que tu l'aimes pas. Allons-y, homme de Dieu. Et les anneaux du nez. Oui. Les vêtements précieux. Oui. Les larges tuniques. Oh. Les manteaux. Mmh. Et les gibecières. Mais attends, les larges tuniques là, c'est quoi? C'est les goûts, les vêtements chers que tu portes. Ça produit en toi l'orgueil. Toutes ces choses là. Quand le Seigneur dit ne veux pas bijoux sur toi, je ne veux pas bracelet sur toi, je veux pas quoi. Au commencement, il a dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Ça produit en toi l'orgueil. Il n'y a personne qui a mis chaîne sur ta poitrine et puis il cache. C'est pas possible. Je veux que tout le monde arrive à voir. Les chaînes qu'il a portées là, c'est joli. C'est pas ça. Quelle ami monte et puis l'ami mange l'homme dessus. Hein? Il n'y a pas non? Il veut qu'on voie ta montre non? Ça produit encore en lui quoi? L'orgueil. C'est pas ça? Quand il porte un vêtement qui est cher, quand il dit, il va jamais se mettre à genoux. Pourquoi? Parce que tu dis que la beauté, ça coûte trop cher. Yeah. Ah, il y a tout le monde quoi. Non, c'est quoi ça? Il existe. Ça produit en quoi? En lui quoi? Mais ça prend de l'orgueil que le temps est. C'est pas que de l'orgueil. Aïe, ça prend de l'orgueil. Si tu lis Ézéchiel 28, tu vas comprendre. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Préparé, il a été préparé avec toutes les pierres précieuses. Le diable brillait comme de l'or. Il y a plus que de l'or, avec toutes les pierres précieuses du monde et du ciel. Toutes ces choses-là. Il était le chef chargé de la louange, de l'adoration. Le chef de l'armée même de l'éternel. Donc, l'orgueil s'est trouvé en lui. Bah, l'éternel a fait descendre. Maintenant, toi, tu es orgueilleux. Tu dis non, Dieu n'a qu'à t'avoir au ciel. Toi, tu es plus orgueilleux que Dieu. Tu es plus orgueilleux que le diable plutôt. Alléluia. Et que tu dis, Dieu n'a qu'à t'avoir au ciel. C'est pas possible. Donc, tout ça, c'est pour éviter que l'orgueil te met en toi. Quand tu portes vêtements simples, quand il y a un agama, toi-même tu roules ici, tu danses, on dit tout le monde à genoux, tu es à genoux. C'est pas plutôt comme ça. Quand on te regarde ton complet, ça fait 1500, mon cher. Mais dans mon compte là, il y a au moins 500 000, 1 million, 10 millions, c'est ce qui compte. Alléluia! Gloire à Jésus! C'est pas l'apparence. Allons-y. Les miroirs. Les miroirs. Et les chemises fines. Et les chemises fines. Les chemisiers aussi, ce sont les sacs de Mac. Toutes ces choses là. Donc quand tu as utilisé des choses, on doit te dire que tu as perverti ton corps. Tu as souillé ton corps. Tu as emmené le diable à toucher à ton âme, à ta vie. Alléluia. On va s'arrêter là. On va prendre le dernier passage de Deutéronome chapitre 22. On va faire ça. On va rentrer maintenant dans la phase de repentance. Quand tu vas lire ça, dans la phase de repentance, je t'en supplie. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Quand tu vas rentrer dans la repentance, je te dis la vérité. Si tu es disposé et que tu te repens sincèrement, tu vas voir comment le Saint-Esprit de Dieu va te libérer de tous tes péchés que tu as commis et que tu as donné accès, tu as donné accès au diable. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va briser le jour de la malédiction et de la servitude. Il va te faire sortir de l'esprit de mort. Alléluia. Allons-y. Deutéronome 22. À partir du verset 5. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Allons-y. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils. Attends, va à 13. Si un homme a pris une femme. Si un homme a pris une femme. Hein? Et allé vers elle. Oh, il est allé vers elle. Éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. C'est-à-dire qu'un homme a marié une femme. Hein? Normalement, il a marié cette femme vierge. Et puis il dit non que maintenant je ne veux plus de cette femme-là. Allons-y. La Bible dit quoi?
S'il lui impute des choses criminelles. Il impute des choses criminelles en disant cette femme n'est pas bien, n'est pas ceci, n'est pas cela. Et porte atteinte à sa réputation. Il fait détruire sa réputation. En disant. Il dit. J'ai pris cette femme. Oh, j'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai point. Et je ne l'ai pas trouvé vierge. Je n'ai pas trouvé vierge. Alors le père. Le père. Et la mère de la jeune femme. La mère de la jeune femme. Écoutez bien. Écoutez bien, hein? Prenons les signes de sa virginité. Donc, c'est-à-dire qu'avant, là, une femme, avant d'avoir des rapports sexuels, elle était déjà vierge. Avant de se marier, elle est vierge. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y. Prenons les signes de sa virginité. Donc, le jour où ils ont eu le premier rapport, après le mariage, il y a eu un signe qui était là. Ils ont pris un drap blanc. Ils ont versé comme ça le drap blanc. Quand ils ont couché, le père a gardé. Ça a dit, oh, comme le père a coulé, ça a dit, ma fille est vierge. Alléluia. C'est le signe de la virginité. Allons-y. Ils les produiront devant les anciens de la ville. Donc ils vont les produire devant les anciens de la ville. Hein? À la porte. Oui. Le père de la jeune femme. Le père de la jeune femme. Dira aux anciens. Il va dire aux anciens. J'ai donné ma fille pour femme. J'ai donné ma fille pour femme. À cet homme. Oui. Et il a pris en aversion. Il a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles. Oh, il impute des choses criminelles. En disant. En disant. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, oh, oui. Voici les signes de virginité de ma fille. Donc maintenant le père va dire, va déployer le palme. Puis va dire, voici les signes de virginité de ma fille. Allons-y. Et ils déploieront son vêtement. Ils vont déployer son vêtement. Hein? Devant les anciens de la ville. Oui. Les anciens de la ville saisiront alors donc, cet homme. Ils vont saisir cet homme. Hein? Et le châtieront. Ils vont le chicoter. Hein? Et parce qu'il a porté atteinte. Parce qu'il s'est moqué, oui, à la réputation d'une vierge d'Israël. Il a détruit la réputation d'une vierge d'Israël. Hein? Ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent. Ça, c'est l'amende des vierges. Donc, ils vont le condamner. Allons-y. Qu'ils donneront au père de la jeune femme. Donner au père de la jeune femme. Écoutez bien. Hein? Elle restera sa femme. Elle restera sa femme. Et il ne pourra pas la renvoyer. Non, normalement, la première personne qui a couché avec toi, normalement, c'est ton mari. Tu ne dois jamais te renvoyer. La première fille avec qui tu as couché, normalement, c'est ta femme. Tu ne dois pas la renvoyer. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons-y. Et il ne pourra pas la renvoyer. Il ne pourra pas la renvoyer. Tant qu'il vivra. Alors, tant que tu vis là, normalement, tu es lié à cette personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Allons-y. Mais si le fait est vrai. Mais si la fille. Allons-y, le fait est vrai. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge. On fera sortir la jeune femme. Oh, on va faire sortir la jeune femme. À l'entrée de la maison de son père. Regardez, on l'envoie devant la maison de son père. Imagine au village. Et puis on dit, voici le père qui donne conseil à tout le monde. Maintenant, le père, elle n'a pas su tenir sa fille vierge jusqu'au mariage. Et puis on trouve que ce que l'homme a dit là, la fille n'était pas vierge. On fait sortir la fille. On l'envoie devant la maison de son père. Tous les villageois sortent. On dit, hé, sortez, 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 sortez. Aujourd'hui, là, il y a scandale. Tout le monde s'en va se laver. On se lave. Hey, aujourd'hui, là, il y a chaud. Hein. On s'en va côté là-bas, il y a problème là-bas. Et puis, tout le monde se lave, mettre parfait. Ils sont bien. Hein, pour les enfants, tout le monde est là. Ils veulent voir ce qui va se passer aujourd'hui. On va attraper la main de la jeune femme. On va l'envoyer devant la maison de son père. Son père, sa tête est comme ça. Il a honte. Sa mère pleure. Parce qu'aujourd'hui, là, quelque chose va se passer. Allons-y. On fera sortir la jeune femme. On va la faire sortir. On attrape sa mère. On l'envoie, hein? À l'entrée de la maison de son père. À l'entrée de la maison de son père, elle repose là. Elle sera lapidée. Oh, elle sera limée avec des pierres. Par les gens de la ville. Dans les gens de la ville vont prendre des pierres. Limer sa tête. Maintenant, imagine le gars t'a dragué, ça fait 15 ans, tu refuses. Le jour là, règlement des comptes. Gros caillou comme ça qui va se lever. On dit, ah, mais confie, tu vas où dire aujourd'hui là, laisse-moi. Oui, elle m'a fait oser, elle va mourir. C'est là, elle m'a dit, elle fait mal, elle a cassé là. Alléluia. Cassez ta tête aujourd'hui. Et puis ils n'ont pas limité les pierres. On dit lapider. Donc imagine si c'est pas 10 pierres. C'est pour moi ce. Si c'est pas des grosses pierres. Mais il n'y a pas de forme de pierre. C'est quand tu veux soulever la force, soulever, faut lancer son bas. Ouais, comment c'est scandaleux. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu as perdu ça, non? Allons-y. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Et elle mourra. Elle va mourir. Donc on la lapide jusqu'à ce qu'elle meure. On la lapide, elle la lapide jusqu'à ce que sa langue sorte sur le côté. Donc imagine, on met caillou sur toi, pas. Tout à l'heure, si un petit élève avec caillou là, tu dis, mais caillou là, tu as pleuré. Tu as dit, hey, ça fait mal, mais imagine les pierres. Pierre, ça n'a rien à voir avec caillou qu'on a ici. Hein. Pierre.
Le granit. Bah, on te tape. On te lapide jusqu'à ce que tu meurs. Quel scandale. À cause de quoi? Parce que tu as perdu ta virginité. Donc ça veut dire quoi? En réalité, la virginité là, toute ta vie est dedans. Toute ta vie est dedans. Quand tu vas en rapport, comme je l'avais dit là, tu livres toute ta vigueur. Donc en toi, tu es faux. On appelle flocoto. Alléluia. C'est pareil pour l'homme et pour la femme. Tu es flocoto, flocoto. Dans deux flocoto qui se mettent ensemble, ils seront quoi? Flocoto, flocoto, fois deux. C'est un problème. Et vous allez prier, prier longtemps pour que les choses avancent. Alléluia. Mais ça va s'arrêter aujourd'hui parce que la délivrance a commencé. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il allait racheter toutes tes grâces, tous tes dons et tes talents. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est par la repentance que tu peux récupérer ce qui t'a été volé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Elle mourra. Elle mourra. Parce qu'elle a commis une infamie en elle Israël. Elle a commis une abomination en Israël. Hein? En se prostituant dans la maison de son père. Donc elle s'est prostituée dans la maison de son père. Bon, imagine que la fille a sa maison à quelque part là-bas. Comme tu dis, non, il a grandi, il loue maison. Mais la Bible dit, tant qu'on n'a pas encore payé ta dot, tu es encore une jeune fille. Tu n'es pas encore femme. Alléluia. Il faut avoir 10 enfants. Tu n'es pas femme. Gloire à Jésus. Et au travers de ça, comme je le disais, les esprits des eaux, les esprits des forêts ont attaqué ta vie. Parce qu'ils attendaient ça seulement pour toucher à ta vie. Donc ils ont touché ta vie, ils ont touché ton étoile, ils ont touché ton âme. Et aujourd'hui, tu es lié. Donc par la grâce de Dieu aujourd'hui, tu seras délié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Tu peux déposer ta vie, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Réfléchis pendant que tu as levé les mains, tiens-toi debout. Regarde maintenant ton passé. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce qui s'est passé dans ta vie. Regarde ce que tes parents ont adoré. Regarde ce que toi-même tu as adoré. Là où tu es parti chez les prêtres, chez les marabouts. Regarde toi-même. Regarde tout ce que tu as utilisé qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Tu vas te repentir sincèrement. Et tout le monde, on se tient, on se met à genoux. Maintenant, devant le trône de l'Éternel, les mains levées. Et toi, si tu veux, ça dépend de toi. Tu n'es pas dormi, ta baisse, tu risques de dormir. Si tu sens que tu peux te repentir par là. Aujourd'hui, là, tu as entendu la vérité. Et tu veux aller au ciel. Maman, il y a de la place ici. Le sol est bien large pour tout le monde. Reculez les chaises derrière, si ça te gêne. Reculez les chaises. De la place. La repentance a commencé. Et pendant que tu seras en train de te repentir, toi seul, tu sais ce que tu as fait. Toi seul. Tu sais ce que tes parents adoraient. Tu n'es pas un homme. Pour un homme que tu es là. Même si tu es venu ici parce que quelqu'un t'a conduit. Mais toi-même tu as entendu ce qu'elle t'écrit. Alors tu ne peux pas jouer avec ta vie. Parce que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Le Seigneur dit c'est vos péchés, vos iniquités, vos transgressions qui mettent une séparation entre vous et moi. C'est le péché qui fait que Dieu ne t'écoute plus.